Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Nuria TV. On a eu un petit peu de retard ce soir, on a lancé un début d'émission, YouTube nous a mis des bâtons dans les roues, on a enlevé les bâtons, regonflé les pneus, nous voilà de retour en direct, live sur Nuria TV. YouTube m'annonce une connexion excellente, comme quoi il ne faut jamais rien lâcher, et j'espère que vous allez toujours très bien les Nuriens. Installez-vous confortablement, merci à toutes celles et ceux qui ont retrouvé le chemin de ce live et qui vont passer la soirée en notre compagnie, soit sur le site www.nuria.tv, soit directement sur la chaîne YouTube Nuria, ce qui vous permettra de profiter du live. Et puis surtout ce soir, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les sur le chat et j'en sélectionnerai le plus grand nombre possible. Pourquoi ? Parce que la thématique que nous allons aborder ce soir, elle intéresse tout le monde. S'il y a une question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui nous attend une fois cette vie dans la matière terminée ? Donc voilà, un petit coup d'œil, YouTube me refait un signe, il me dit « Oh, moi je repars comme tout à l'heure, pour l'instant je vois pas ramer, donc on continue et on va aller au bout de cette soirée. » J'ai le mot au bout de la langue, mais je m'en fais un devoir. Voilà, ce soir, c'est en compagnie de Laurent Boulanger que je reprends l'antenne sur Nuria TV. Laurent, sois le bienvenu et merci pour ta patience. Bonsoir tout le monde, bien heureux d'être là. Comme quoi, quand ça s'arrête, ça recommence. Exactement. La première émission a eu une fin, et puis là, nous avons réincarné l'émission, et nous voilà de retour. Et voilà. Et puis on croise les doigts. Si vous me voyez jeter des petits coups d'œil à droite et à gauche, c'est que je suis encore en panique. Est-ce que YouTube va me suivre ? On va quand même essayer de se concentrer sur le sujet de ce soir. Merci d'ailleurs, Laurent, de venir échanger avec nous sur cette thématique. L'après-vie. L'après-vie, parce que sur la vie, on y connaît un peu. On a pu découvrir avec toi et avec pas mal d'invités sur Nuria TV, mais en particulier avec toi, ce monde de l'invisible, toutes ces choses qui nous sont impalpables, mais que des gens comme toi, puisque je le rappelle, toi tu es médium, ont la chance et les capacités de pouvoir percevoir. Et c'est justement ça qui va nous intéresser ce soir. C'est à la lumière de ces contacts, de ces échanges que tu as avec l'invisible, que ce soit des défunts, des guides et ton expérience personnelle, même si dans cette vie tu n'as pas encore expérimenté l'au-delà, à la lumière de tout ça, tu vas nous partager ton expérience et le savoir que tu as accumulé là-dessus, en précisant, je vais le faire à ta place pour une fois, parce que tu le fais à chaque fois, mais c'est toujours bien de le préciser, et je t'en suis gré. Ce soir, c'est ton point de vue, ton expérience que tu partages, libre à chacun de la partager, de la faire sienne ou pas, et d'incorporer les éléments qu'on va identifier ce soir dans notre puzzle afin d'approcher le plus possible la vérité sur ces mystères qui nous entourent. C'est bien ça. Je ne jamais rien prendre pour argent comptant, se faire son avis et puis glaner peut-être plusieurs avis à droite et à gauche, sachant qu'il n'y a jamais qu'une seule réalité, il y a une réalité par personne, donc ça tombe bien. C'est un peu le but. Ça tombe très bien. Et vous me voyez sourire parce que YouTube m'a renvoyé un message, connexion excellente. Merci YouTube. Il est avec nous ce soir. Quelques commentaires de nos amis qui sont sur le chat. Je le redis encore une fois, mais un gros bisou à notre équipe de Modo. Marie, Béa sont dans le coin, Tojiro également. Il y a Elenda qui nous dit, tiens Elenda, salut, qui nous dit ça va aller Guillaume, mais oui ça va aller, de toute façon que ça aille ou que ça aille pas, il y a plus grave dans la vie les amis qu'un direct qui s'arrête en plein, en plein milieu, donc on continue notre petit bonhomme de chemin. Il y a Pascal qui nous dit, bonsoir Laurent, tu es une personne formidable, c'est toujours bien de commencer par des gentils mots. Merci. Je vous le dis, ce soir il y aura plein de bonnes vibrations. Il y a quelqu'un qui disait c'est Laurent et Guillaume, il y a Julio qui nous disait c'est Laurent et Guillaume, ils vibrent trop fort, ça fait péter le réseau. Oh, on n'a pas cette prétention là de faire péter le réseau YouTube, mais vous savez non. Les amis, en ce moment il y a, depuis le début du confinement en Europe, YouTube a baissé la bande passante pour que tout le monde puisse se connecter, ce qui est bien, pour qu'on baisse un petit peu tout ça pour que tout le monde en profite, mais ça crée des petits désagréments comme ça, on fait avec et c'est très bien. Ce soir, sur cette thématique de l'après-vie, Laurent, j'imagine qu'il y a une personne qu'on connaît très bien, qui gravite autour de toi, dont tu nous parles fréquemment, et je sais qu'elle est présente avec nous à chaque fois que tu prends l'antenne. C'est Philomène, une de tes guides, avec qui tu communiques très régulièrement, et qui t'a, elle aussi, communiqué pas mal d'infos sur cet après-vie.
Ouais, tout à fait. Ça a été. On avait un petit peu déjà décidé de cette thématique pour une future émission. Et je m'étais dit, à un moment donné, il va falloir que je m'entretienne avec elle pour peut-être que j'ai des choses que je n'avais pas. Et puis en fait, ça a été très marrant puisque c'était la semaine dernière. J'étais en train de discuter avec ma compagne. Et on parlait justement des soins palliatifs et de la fin de vie, puisqu'elle a travaillé en soins palliatifs de nombreuses années, en oncologie aussi. Et du coup, Philomène est venue, enfin, c'est pas souvent, mais elle est venue dans la conversation et donc on a pu discuter de cette thématique-là. Et donc, du coup, on a même fait un enregistrement. Alors, évidemment, on n'entend pas Philomène, hein, mais où j'ai pu enregistrer ce qu'elle me disait, répéter en fait. Parce que en médiumnité, je le dis toujours, mais on reçoit et on oublie vite en fait. On oublie très très vite ce qu'on nous dit. Donc du coup, on a enregistré et en deux fois en fait, et on a enregistré environ 40 minutes de conversation sur ce thème-là. Donc, il y a pas mal d'éléments, d'infos que tu vas nous partager ce soir qui viennent directement de Philomène. Ouais, ah oui, complètement. Moi, j'avais quelques expériences. Notamment des contacts avec des défunts où ils me racontent ce qu'ils font ou ce qui leur manque ou voilà ou d'autres quand ils sont partis ils me disent bah voilà c'était dur pour partir voilà l'expérience aussi que j'ai par rapport à ça c'est par rapport aux soins énergétiques en guidance qu'on transmet et donc tous ces défunts qui ne partent pas donc on m'a expliqué aussi pourquoi ils ne partaient pas et donc je veux dire ça fait vraiment une thématique qui est globale et qui est immense en fait le champ d'information est très grand. On l'a vu tous les deux en balayant un peu les questions qui pouvaient arriver ce soir, puisque moi j'en ai tout un paquet, j'en ai toute une liste. Les Nuriens, j'imagine pareil, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas les amis. Le nombre de thématiques à aborder autour de cet après-vie est immense. On va essayer ce soir de piocher dans toutes ces thématiques et de faire le tour le plus large possible autour de cet après-vie. La première question que j'ai envie de te poser, c'est au niveau de tes contacts avec l'invisible. Encore une fois, certains sont des guides, d'autres sont des défunts. Lesquels te donnent le plus d'informations? On l'a vu, Philomène, tu as communiqué énormément d'infos là-dessus. Est-ce que les défunts, quand ils se présentent à toi, lors de tes consultations ou autres, te donnent des informations sur leur situation dans cet après-vie, ce qu'ils sont en train de traverser et à quelle étape de leur voyage ils sont? Oui, alors j'ai souvent des informations sur comment ils se trouvent eux-mêmes, c'est-à-dire dans quel état d'esprit, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, s'ils sont bien, s'ils sont tranquilles, ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est intéressant de voir que certaines personnes qui avaient des métiers, j'ai eu par exemple une dame qui était nourrice ici sur Terre, accueillait les enfants de l'autre côté. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Simplement il y en a qui se reposent enfin voilà c'est vraiment j'ai des informations effectivement sur par les défunts mais en général c'est des informations qui les concernent évidemment eux et c'est pour en informer leur famille Philomène a eu des informations beaucoup plus larges sens large du terme que peut-être les défunts eux-mêmes n'ont pas forcément tout de suite quand ils arrivent ou au stade où ils en sont. Donc du coup, effectivement, il y a eu plusieurs chemins, on va dire, d'information, à la fois par les défunts, et ça, c'est, j'irais, mon quotidien, puisque maintenant, je le dis, parce que j'ai mis du temps à le dire, je fais des consultations donc en médiumnité, et aussi donc par ces guides qui viennent, par Philomène, hein, en l'occurrence, qui est venu vraiment me donner des choses. Ouais, j'ai découvert plein de choses avec notre conversation. D'accord. On va commencer par le début, avant de parler de l'après. On va parler de l'instant T, à partir du moment où la vie quitte ce corps matériel, le cœur s'arrête de battre, le cerveau cesse de fonctionner. Comment ça se passe concrètement, cette séparation de l'esprit et de la matière? J'ai le souvenir d'expériences qui nous ont été relatées sur l'antenne de gens qui ont fait des sorties de corps, des sorties astrales, ce genre de choses. Cette image de notre corps astral qui sort par le haut du corps, par le haut du crâne, est-ce que ça se passe comme ça quand on décède? Est-ce que notre corps non physique nous quitte comme ça ou est-ce que c'est totalement différent? Alors, encore une fois, ça n'engage que moi et les informations que j'ai pu obtenir. Faire la différence déjà entre une sortie astrale et
le fait qu'on décède. Une sortie astrale, c'est vraiment le corps astral qui va se promener. Donc effectivement, très souvent, ça sort par la tête. Mais la différence, la grosse différence, c'est qu'on est relié à ce corps astral par ce qu'on appelle une corde d'argent. Cette corde d'argent, d'ailleurs, elle est présente dans pas mal de traditions, de religions, etc. Alors certains disent que la corde d'argent ne passe que par la tête, d'autres disent que ça passe par tous les chakras. Toujours est-il qu'on est relié par cette corde d'argent qui d'ailleurs permet le retour du corps astral dans le corps physique. Le moment de la mort physique, en fait, c'est la rupture, la section, le sectionnement de cette corde d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, la dissociation immédiate entre le corps astral, ce qu'on appelle le corps astral, et le corps physique. Autrement dit, c'est immédiat. La sortie, semble-t-il, du corps astral, du corps physique à ce moment-là, ne se fait pas forcément que par un chakra ou par un centre énergétique, mais c'est comme une pelure d'oignon qui s'en va. Hein. Ça, c'est immédiat. C'est vraiment immédiat. D'accord, donc une dissociation instantanée. Oui, complètement instantanée. Et ce, qui est aussi, ce que je voudrais aussi dire, est parce que là aussi, il y a plein de versions différentes, mais en tout cas, moi, mon expérience à moi m'a prouvé qu'on pouvait rentrer en communication avec les défunts immédiatement. Vraiment immédiatement. Je connais d'autres médiums, enfin d'autres personnes qui œuvrent sur ce chemin-là, qui m'ont relaté d'ailleurs les mêmes choses. Moi, j'ai une expérience personnelle, pour le coup, avec quelqu'un qui était décédé depuis moins d'une heure et qui était là et qui m'a parlé. Donc, la dissociation se fait vraiment tout de suite. Pour la dissociation, corps physique, corps astral. D'accord. Alors, pour autant, certains défunts, il semblerait que certains défunts, dans certains cas, ne se rendent pas compte de cette dissociation. Et il y a des circonstances différentes de décès. Certains meurent d'une mort naturelle ou de maladie et ont le temps de se préparer, c'est-à-dire que l'esprit est prêt à ce voyage-là. Et puis, il y a les morts accidentelles, celles qu'on n'a pas vu venir, si je puis dire. Et là, il arrive parfois que le défunt ne se rende pas compte que son corps physique et ce qu'il est vraiment ne sont plus liés, soit il y a peut-être une forme de déni ou quelque chose de cette forme-là. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que le défunt se rende compte qu'il est de son état ? Ouais. Alors c'est bien qu'on parle de ça parce qu'en fait, c'est vrai que ça dépend de l'instant de la mort et de la façon dont on décède en fait. Dans les façons de décéder, il y en a plusieurs. Il y a ce que j'appellerais moi la mort entre guillemets douce, la mort dans son sommeil, où on se réveille, on est mort. Hein. Des fois, tu m'as dit, je me suis réveillé, j'étais mort. Bon, avec beaucoup d'humour. Il y a ce que j'appellerais moi la mort progressive, c'est-à-dire une mort, quelqu'un qui est effectivement malade sait que l'issue va être comme ça et a le temps effectivement de se préparer plus ou moins. Il y a la mort ensuite violente, ce que j'appellerais plus violente, c'est-à-dire soit par accident, soit par suicide d'ailleurs. Et dans les accidents, il faudrait aussi avoir deux différenciations, les accidents dont on se rend compte au moment où l'accident se passe et l'accident dont on ne se rend absolument pas compte. C'est-à-dire que c'est une mort violente, imprévue et soudaine, et donc absolument pas programmée. Et voilà. À noter qu'il y a une chose qui est étonnante, enfin si on peut dire, entre la mort douce dans son sommeil et la mort violente par accident, c'est-à-dire non programmé, complètement, dont on ne se rend pas compte, c'est-à-dire dans les deux cas, on ne se rend pas compte. Hein. On peut retrouver les mêmes difficultés à partir parce qu'on peut retrouver les mêmes difficultés à se rendre compte qu'on est mort. Autant la personne qui dort peut croire qu'elle rêve, autant la personne dont c'est un accident, et j'ai un cas en tête hein, réel que j'ai connu, c'est un jeune homme, le jeune homme ne savait pas qu'il était décédé. Donc là, on se retrouve vraiment avec le même phénomène, c'est qu'il faut expliquer à la personne qu'elle est décédée. Donc, la première des choses, c'est de leur dire. Ça doit être quelque chose de pas évident à faire. Ben non. Presque aussi dur d'annoncer à quelqu'un qu'il est mort que d'annoncer à sa famille que la perte d'un proche. Ben complètement. Complètement. Alors, je dirais que la personne qui dormait comme la personne qui a un accident brusque, violent, au début, elle n'y croit pas trop, quoi. On aurait pu dire, bah, non, enfin,
Donc on est obligé d'argumenter et du coup de se faire aider bien sûr pour qu'ils comprennent. Quand je dis se faire aider, c'est-à-dire en fait demander aussi l'aide des guides, de venir à leur rencontre et de leur expliquer. Et dans tous les cas, c'est comme sur Terre en fait, il faut de la pédagogie, quoi. Alors quand tu parles d'aide, justement, y a une autre thématique qui est intimement liée à ce phénomène de l'après-vie, c'est ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Et là, on a énormément de témoignages qui se recoupent. Y a ce tunnel qu'on traverse, ces gens qui nous attendent au bout du tunnel, des proches, des guides. Est-ce qu'il faut obligatoirement prendre ce tunnel et donc faire une démarche consciente vers ce tunnel pour avoir l'aide de guides et de proches, ou est-ce que des guides peuvent nous aider en amont de ce voyage à travers ce tunnel, venir nous chercher en gros et nous dire eh, bonhomme, c'est fini, l'incarnation matérielle, très peu pour toi, maintenant il faut passer sur un plan spirituel. Alors là, c'est comme dans la vie terrestre, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Au moment du décès, il y a ce qu'on avait appelé un vortex, une porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre en tout cas, avec de la lumière. Et en gros, oui, on a cette ouverture qui se fait. Alors elle est représentée par ce tunnel, ce qui est vrai, hein. C'est de la lumière, c'est voilà. Mais on a quand même le choix de l'emprunter ou tout de suite ou pas. Et donc on a des gens qui j'ai eu moi des récits de personnes qui en décédant tendaient les bras en l'air parce qu'ils voyaient leurs proches venir les chercher en fait. Ils étaient déjà à moitié engagés avant même de partir physiquement, j'ai envie de dire. Donc il y a ce phénomène-là à l'instant T effectivement il y a une petite fenêtre qui s'ouvre une porte. Mais comme toutes les portes, on la prend, on l'ouvre, on s'y engage ou pas, dans l'instant. Et c'est là où c'est quelque chose plus on va être en conscience qu'il y a quelque chose après la mort, et plus on va être, j'ai envie de dire, décidé à l'emprunter, cette porte. On constate que les gens qui ont toujours eu peur ou sont emprunté d'un certain nombre de choses et qui effectivement ont des peurs d'emprunter cette voie-là, eh ben ils décident des fois de ne pas l'emprunter tout de suite et voire de pas l'emprunter du tout. Donc ça dépend aussi du chemin, on va dire spirituel, si je puis dire ça comme ça, de la personne avant son décès Donc là, on est dans et de la mort en par elle-même. la préparation à ce passage. Cette préparation-là, en fait, c'est une préparation qu'on a toute notre vie. Tu parlais de spiritualité, pas au sens religieux du terme, mais au Non, pas du sens tout. de se poser de se poser des questions et d'essayer de comprendre notre raison d'être et le fait que la mort n'est pas une fin en soi. C'est ça. Pour ceux qui restent, qui refusent, qui sont bien ancrés dans la matière, qui sont des vrais matérialistes au sens premier du terme, pas forcément des gens qui accumulent, mais des gens qui ne considèrent l'existence qu'à travers cette matière-là, Alors, eux peuvent rester bloqués. ouais, alors bloqué. Bloqué, non, parce qu'ils le choisissent au départ. Mais ce n'est pas que des gens matérialistes hein, qui ne partent pas. C'est des gens qui ont peur. Tu sais, enfin, une de mes activités principales, c'est de transmettre des soins énergétiques pour les gens. Dans cet aspect-là, on a l'aspect, ce que je vais dire, ce n'est pas un très beau terme, mais un aspect de dépollution, où en fait, on est obligé. On va aider des défunts qui ne sont pas partis à partir justement. Et quand on explique à un défunt qui n'est pas parti, ce serait quand même mieux pour lui de partir, on est obligé de lui donner un certain nombre d'arguments, notamment qu'il ne va pas être jugé, qu'il n'aura pas mal, il a toujours peur d'une certaine douleur. Et puis il y a tout ce qui est peur de l'après, hein, si on a fait des trucs pas sympas, ben, forcément, etc. Il y a toutes ces peurs-là en fait qui bloquent aussi, hein. Et toutes les raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ne partent pas, il y en a une grande quantité. Souvent, c'est les peurs, mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un de très matérialiste, effectivement, des gens qui sont attachés à leur maison, attachés à leurs meubles, ou simplement des gens qui ont besoin de faire quelque chose avant de partir. Donc d'aller dire au revoir, où ils avaient un truc à transmettre, c'était super important de leur vivant, et leur vivant c'était il y a 5 minutes, hein, et ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc du coup, ben, il faut absolument qu'il le fasse.
Donc, en gros, il dit, bah, attendez, je vais prendre la porte, mais pas tout de suite. Donc, je vais faire, j'ai un truc à faire avant, en gros. Et alors, le problème, c'est que la porte, elle reste pas ouverte tout le temps, tout le temps. Et qu'au bout d'un moment, bah, ils finissent par plus la situer, et c'est là où ça devient problématique. Quand des personnes, là je parle de personnes encore vivantes, dans leur incarnation matérielle, côtoient ce qu'on appelle des fantômes, des esprits. Tu sais, on a tous rencontré, regardé des vidéos de ces fameux chasseurs de fantômes, j'aime pas trop le terme, mais d'enquêteurs du paranormal, des gens qui cherchent une preuve matérielle de cette vie immatérielle. Quand on a affaire à ce genre d'énergie, d'entité, ça veut, si je comprends bien, on a affaire à des gens qui n'ont pas encore entamé leur voyage et qui se sont pas séparés de cette incarnation. C'est ça. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle les maisons hantées, puisque les chasseurs de fantômes vont, j'aime pas du tout le terme non plus, mais vont dans des maisons hantées. La hantise, c'est quoi? C'est en fait, c'est des gens qui ne sont pas partis et qui n'ont pas d'énergie auxquelles se ressourcer. En fait, il faudrait essayer de comprendre ça comme si, comme votre téléphone. Voilà, on a un téléphone, et puis à un moment donné, c'est marqué low batterie. La batterie est déchargée. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le branche. Un défunt qui n'est pas parti, en gros, a besoin de se recharger en quelque part. Parce que sinon, il diminue en vibration et pour vraiment perdre de sa vitalité, on va dire, spirituelle. Et là, ça devient très, très compliqué pour lui. Donc, il a besoin de se recharger à une énergie vivante. Et c'est très marrant parce que c'est le principe de l'induction. Maintenant, on peut charger nos téléphones par induction. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se recharger à un vivant. Donc, ils vont venir, en quelque sorte, s'accrocher, se rapprocher d'un vivant pour lui prendre un peu de son énergie et pour subsister, on va dire, un moment. Et puis, bah, il fera ça tout le temps parce que tant qu'il n'est pas baigné de lumière, en fait, il ne peut pas subsister totalement et revenir accompagner ses êtres chers. En étant jusqu'au boutiste et en déroulant la pelote de laine jusqu'au bout, est-ce qu'on peut imaginer du coup qu'un défunt, pour le coup, meurt vraiment? C'est-à-dire que faute d'énergie, puisque nous sommes une énergie, l'énergie s'éteint et puis au bout d'un moment, la petite flamme s'éteint totalement et là, il n'y a plus de... Même l'âme n'existe plus, il n'y a plus moyen de poursuivre cette vie éternelle. C'est très très rare parce qu'en fait, il est très rare qu'un défunt se trouve dans un endroit où il n'y a vraiment personne pendant des dizaines et des dizaines d'années, d'une part. Et puis, quand bien même on arriverait au bout, il se transformera en mémoire, il y aura quelque chose qui resterait dans tous les cas, dans l'imprégnation énergétique. Plus au sens défunt, du coup, mais au sens mémoire énergétique. Dans une maison, on peut retrouver des choses comme ça. Si il n'y a vraiment pas eu de rechargement possible, entre guillemets, du coup, oui, ça va se transformer éventuellement en mémoire. D'accord. Je vais prendre une petite question, puisqu'on va essayer d'en prendre quand même quelques-unes ce soir, parce que, encore une fois, on est tous là et je vois que vous êtes plusieurs milliers connectés ce soir à se poser des questions. Une question de Fabi qui te dit: Bonsoir, mes parents et mon frère récemment sont partis de l'autre côté. Il m'arrive d'avoir envie de les contacter, mais en même temps, je ne veux pas les déranger, que faire? La question intéressante, est-ce qu'on dérange les défunts quand on cherche à rentrer en contact avec eux? Alors, c'est une question à deux réponses. La première, c'est que on peut émettre l'intention d'avoir de leurs nouvelles. Moi, je déconseille toujours d'aller les chercher, c'est-à-dire d'aller chercher le contact. Par contre, rien ne nous empêche de leur demander d'en avoir un. Pas tout à fait la même chose. Je suis pas trop adepte des techniques, et ça n'engage vraiment que moi et que ce qu'on m'a dit, tout ce qui est spiritisme, etc. Parce que on peut effectivement aller dans un endroit où c'est pas le moment. En fait, la meilleure cho des choses à faire, c'est de demander au défunt qui est parti, ou singulier ou au pluriel, de venir nous donner un signe ou de passer par quelqu'un pour avoir des nouvelles. Alors, on les dérange pas en général, hein, parce que le moment, ils le prévoient. Et puis, en plus de ça, nous, si ce sont des défunts qui sont évidemment passés dans la lumière, nous, on a toujours notre aspect de temps. Eux n'ont plus d'aspect de temps, en fait. Donc, en fait, on ne les dérange pas dans la mesure où ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent le faire avant d'être venus ou après.
peu importe, j'ai envie de dire. Ouais, cette Et notion de donc, temps est importante à cerner. voilà. Et oui, et donc, si c'est juste, ils viendront, en fait. Si c'est juste, ils viendront, et surtout s'ils sont partis. J'insiste là-dessus parce que parfois, on essaie de rentrer en contact avec des gens, et comme ils ne sont pas baignés de lumière, on ne peut pas forcément leur parler. Il faut d'abord les faire passer, et ensuite, ils vont revenir encore beaucoup plus présents, j'ai envie de dire, et beaucoup plus facilement. D'accord. Il y a Corinne qui nous demande, lorsque nos proches partent et que des médiums comme toi, Laurent, les captent lors de séances, est-ce parce qu'ils ne sont pas partis ou bien parce qu'ils ont un message à nous donner? Tous les défunts avec qui tu communiques ne sont pas tous restés dans l'environnement matériel. Eux ont déjà fait le voyage vers l'au-delà et ont déjà traversé le fameux tunnel dont on parlait et sont incarnés sont partis sur un autre plan. Oui, en ce qui me concerne, oui, c'est-à-dire que moi, les défunts auxquels je parle, ce sont ceux qui sont déjà passés et qui reviennent pour nous parler. J'ai eu des contacts aussi avec des défunts qui n'étaient pas encore passés, mais en général, j'ai vraiment leur contact. Des fois, ils me donnent leur prénom, leur nom, au moment où ils partent, en fait, au moment où on les accompagne vers ce tunnel, et qui commencent à être éclairés de lumière. Donc là, je les entends, je les vois, même les voir. Mais avant, non. On peut personnellement, c'est ce qui me concerne moi. Hein. Je peux les ressentir, je peux ressentir des présences, mais je n'aurai pas forcément le son et l'image. D'accord. Merci, merci pour ta réponse. On va revenir sur tout ce qui concerne les circonstances autour du décès, avant d'aller fouiller un peu plus loin sur l'après, ce qu'il y a derrière ce fameux tunnel. Je l'utilisais beaucoup, cette image du tunnel, encore une fois, c'est qu'une image, on l'aura bien Oui. compris, mais tout à l'heure tu parlais de suicide, de mort violente. Les suicides, on est face à une situation complexe qui est énormément source de jugement. Que ce soit de la société, d'un point de vue dogmatique, d'un point de vue moralisateur. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que toutes les personnes qui suicident et qui mettent fin à leur jour, parce qu'on en a tous dans notre entourage, on connaît tous des personnes qui malheureusement sont arrivées à faire ce genre de geste, est-ce que c'est à chaque fois compliqué pour eux l'après-vie? Ou est-ce que là aussi il y a des situations différentes et certaines personnes qui mettent fin à leur incarnation terrestre pour se débrouillent très bien pour le voyage dans l'au-delà. C'est pas lié, en fait, moi, ce que j'ai posé la question à Philomène, et voilà ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu crois qui est le plus dur? Quelqu'un qui s'est suicidé parce que, bah, par exemple, il n'en pouvait plus, hein, et en général, c'est le cas, hein, c'est des douleurs, des souffrances, des gens malades, des gens en détresse affective. Donc, c'est des gens qui sont vraiment pas bien. Ou est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui a fait du mal à tout le monde pendant toute sa vie? Je pense notamment à des gens qui auraient torturé des personnes, etc. Qu'est-ce qui vaut mieux donc mourir de vieillesse alors qu'on a fait du mal à tout le monde, ou mourir de jeunesse parce qu'on n'était pas bien? En fait, ça c'est une question de jugement qui n'a pas lieu d'être, en fait. Ça va se passer pendant la revue de vie, en fait. Les défunts qui vont arriver de l'autre côté, alors on est déjà presque sur l'autre sujet, hein, enfin sur la partie suivante. Mais ils vont avoir à faire face à leur vie terrestre, leur dernière vie terrestre. C'est eux-mêmes qui vont regarder et qui vont faire que le voyage va être sympathique, plus ou moins. Quand je dis sympathique, plus ou moins, loin des images qu'on peut des fois nous inculquer de souffrance pour ceux qu'on fait souffrir, etc. C'est un petit peu différent de ce qu'on nous dit. Mais du coup, le chemin n'est pas plus. Non, non, le chemin peut être aussi direct, c'est pas un problème. Après, comme dans tout décédé qui arrive de côté, il y a une revue de vie qui est faite, et c'est là où, mais on en parlera tout à l'heure, où il se passe un certain nombre de choses, et où effectivement ça peut être pas agréable, mais pas pour les raisons forcément qu'on croit. D'accord. Ouais, donc pas aussi peut-être pas aussi manichéen que ce que certains dogmes peuvent présenter sur l'après-vie. Mais oh. Non, et en plus de ça, je voudrais quand même insister sur quelque chose qu'on a vite fait d'oublier, c'est que quand on décède, on croit toujours qu'on met fin à notre vie. Alors c'est vrai, on met fin à notre vie. Mais est-ce qu'on croit vraiment que c'est pas prévu dès le départ? Puisque tout est juste. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, parce que je ne tiendrai jamais ce discours-là. Bien sûr. Mais quelque part, il faut savoir que tout est juste à la fin. Quand tu dis tout est juste, est-ce que ça veut dire que même que c'était programmé?
Il y en a En certains, quelque oui. sorte. Bah, oui, puisque pas de temps, pas d'espace, et on signe, quand on s'incarne, en fait, on signe une vie, j'ai envie de dire. On signe une mission, certes, mais pas que. Alors, évidemment, il y a le voile de l'oubli, on a déjà tout oublié, mais quelque part, si ça se passe, c'est que, malgré tout, c'est que ça doit se passer. Comment dire? Ouais, après, c'est une question de jugement. C'est toujours une question de jugement. Il faut pas juger, je pense. Si vraiment l'humain pouvait s'empêcher de juger dans toutes circonstances, ce serait drôlement bien. T'en demande beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais ce serait vraiment bien. Je suis d'accord. Toujours sur sa circonstance de décès, est-ce que le lieu a une incidence sur ce qui nous arrive après? On parlait tout à l'heure, on donnait l'exemple de gens qui meurent chez eux, dans leur lit, dans leur sommeil, dans un cadre familier apaisant, j'imagine. C'est quelqu'un qui meurt loin de chez lui. Dans un endroit inconnu, est-ce que ça peut influer sur la situation directe de cette âme qui n'est plus dans la matière et qui doit apprendre à se débrouiller différemment? Non, j'ai envie de dire vraiment non, parce que quelqu'un qui sera en voyage et qui décède pendant un voyage, donc n'est pas dans ses bases, pas chez lui, en moins de temps qu'il faut pour y penser, il peut retourner chez lui, dans sa De maison. même que le temps est illusoire. Le L'espace temps, pas d'espace. répond aux mêmes Ouais. normes. Donc là, on n'a pas de souci avec ça. Après, j'ai envie de dire que Ah, il y a peut-être une petite différence entre la personne qui va décéder chez soi et enfin chez elle et décéder à l'extérieur, à l'hôpital ou dans un endroit non familier. Peut-être qu'elle aura plus envie de rester un tout petit peu chez elle parce que les gens vont venir la voir, ses proches, tout ça, et partir peut-être un tout petit peu après plutôt que quelqu'un qui va être très loin de ses bases et qui va pas dans un premier temps se dire je peux retourner chez moi tout de suite et qui va voir la lumière et qui va y aller. D'accord. Peut-être ça la différence, mais non, ça change pas grand-chose. Pas d'incidence. Et enfin, dernière question toujours sur ces circonstances, le cas des décès collectifs. Là, je ne parle pas de suicides collectifs qui ont pu faire la une des journaux, mais un accident d'avion, 200 personnes décèdent en même temps. Est-ce qu'il y a une interaction? Dans la matière, oui, ces 200 personnes vivaient le drame tout en même temps. Elles ont bien senti l'avion se crasher tout en même temps et il y a quelque chose qui s'est créé entre ces personnes. Une fois la vie terminée, est-ce que ces âmes continuent un bout de chemin ensemble ou est-ce que finalement chacun, dans le côté immatériel de cette vie, chacun poursuit sa route et les relations qu'elles ont pu tisser 2 minutes avant n'ont plus lieu? Alors je demande parce que ça c'est une question, je savais. Donc je demande à Philomène. Alors elle me dit, bah tout est permis, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui vont avoir une réflexion de soutenir les autres, parce que du coup, comme c'est une mort collective, il y en a qui vont pas l'accepter, être en colère, d'autres qui vont pas l'avoir compris parce qu'ils dormaient dans l'avion, hein, l'exemple. Donc Oui. ceux qui dormaient pas, eux, ont eu le temps de voir l'avion tomber, alors que ceux qui dormaient, ils s'en sont pas rendu compte. Donc ceux-là vont expliquer aux autres, bah, voilà, on est mort. Donc il y a ceux qui vont, voilà, prendre soin des autres et puis les emmener, partir tous ensemble. Et puis il y a ceux qui vont dire, ok, je suis mort, allez-y les gars, je vous rejoins plus tard. Moi, il faut que j'ai la famille à aller voir avant de partir. Donc vraiment, c'est toujours le libre arbitre. Hein. D'accord. Après, je voudrais faire une petite parenthèse sur les décès en commun de personnes de la même famille, mais pas dans le temps humain tout de suite. Je vais m'expliquer. J'ai le cas de deux personnes qui sont décédées en même temps, en médiumnité, deux personnes de la même famille, et une personne est décédée directement dans l'accident, c'est un accident de voiture, sur le moment. Et la personne de sa famille qui était avec elle est décédée quelques jours après. Et lors de mon contact médiumnique, en fait, la première personne m'a dit, je savais qu'elle partait, donc j'ai pas voulu partir avant elle. J'ai voulu l'accompagner, qu'on parte toutes les deux. D'accord. Donc on peut, voilà, ce libre arbitre-là, il existe aussi là. Ouais, donc finalement, on a beaucoup de choix qui s'offrent à nous après trépas. Ah, on a toujours le choix. C'est comme avant d'ailleurs. Une autre question qui est très intéressante, c'est Catherine qui nous dit est-ce que les malades d'Alzheimer se rendent compte quand ils meurent? C'est la deuxième partie de question qui m'intéresse vraiment. Elle dit récupèrent-ils immédiatement leurs facultés? C'est Oui, toujours la alors. question ce qu'on se pose.
On en a déjà parlé, la manière dont les défunts se présentent à toi. Puisque toi, tu nous expliquais, c'est comme un écran de télé qui s'ouvre, il y a le son, l'image, parfois les odeurs, et puis ils donnent une image d'eux. Concrètement, dans la matière, bon, bah, à l'instant T, même si oublions qu'il n'y ait pas de temps, à l'instant T, j'ai Guillaume, j'ai l'âge que j'ai actuellement, 39 ans, ni trop vieux ni trop jeune, habillé avec une chemise, etc. Certains peuvent avoir des handicaps physiques, une teinture de cheveux ou autre. Bref, l'apparence qu'on a et les facultés physiques qui sont les nôtres, comment ça se répercute dans l'au-delà? C'est une belle question, une bonne question. Il y a aussi deux volets de réponse. Le premier, je voudrais revenir sur Alzheimer. Donc les personnes sont atteintes d'Alzheimer, effectivement, c'est pareil. Ils peuvent avoir un petit décalage pour comprendre qu'elles sont décédées. Ça, c'est vrai, parce que du coup, elles avaient déjà perdu un peu contact avec ce monde-là. En revanche, dès qu'elles sont de l'autre côté, elles se rendent compte. Et Philomène, avec beaucoup d'humour, me dit, elles retrouvent leurs esprits. Donc elles retrouvent leurs esprits de l'autre côté, donc du coup elles retrouvent tout de suite qui elles étaient avant cette maladie d'Alzheimer en fait. Donc ça oui. Pour ce qui est de l'apparence, en médiumnité en tout cas, en général lorsqu'on a un premier contact avec un défunt, on va l'avoir avec son apparence de décès. Donc si on a affaire à un monsieur qui est parti à 80 ans, les cheveux blancs, les lunettes, machin, on aura cet aspect-là. Pour qu'on puisse nous le décrire et pour que les gens qui viennent consulter puissent le reconnaître. Mais j'ai eu le cas de personnes qui sont venues plusieurs fois pour le même défunt, donc que j'avais déjà eu. Et il y a eu une fois ou deux où je les ai vus à un âge qui n'était plus celui de leur départ, mais un âge à peu près standard, entre 30 et 35 ans. Et il semblerait qu'il y ait un peu un âge comme ça. De l'autre côté, au bout d'un moment, quand il n'y a plus besoin d'avoir de contact, j'ai envie de dire, avec nos proches qui nous ont vus sous une certaine apparence, de retrouver quelque chose qui était bien en pleine vitalité, en fait, de l'autre côté. Pour les enfants, comment ça se passe? Parce que eux, dans la matière, encore une fois, n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité physique, de devenir adultes. Il y a même le cas des nourrissons, de ce qu'on appelle les enfants mort-nés, ou même des fœtus qui n'iront pas à terme pour avortement ou autre problème médical. Comment ça se passe pour ces êtres-là? Ben justement, ça moi ça m'avait beaucoup surpris quand j'en avais discuté avec Philomène, mais ils grandissent en fait. Ils grandissent de l'autre côté jusqu'à ce fameux âge standard, je dirais, entre 30 et 40 ans, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a des gens qui s'occupent de ces personnes-là qui arrivent. Un bébé qui arrive, derrière, il est paumé, quoi. Donc il y a des nourrices, en gros, hein, des nourrices qui arrivent, qui les prennent et entre guillemets, qui les élèvent, mais ça se passe beaucoup à une échelle de temps qui n'est pas du tout la même que nous. Et c'est très étonnant parce que du coup, ça j'en ai eu souvent la preuve, en plus, sur des consultants qui viennent me voir pour un défunt, un papa, une maman, une grand-mère. Hein. Et à côté du grand-père, j'ai un enfant. Et alors là, c'est très marrant parce que j'ai l'image d'un enfant. Et donc, en général, soit c'est un enfant qui n'est pas né, qui est décédé avant de naître, ou un enfant, effectivement, ça peut être un enfant qui est décédé jeune. Mais on a souvent ce qu'on appelle, nous, des enfants non nés, qui viennent se faire connaître auprès de leurs parents. Et souvent, alors il y en a qui découvrent et d'autres qui découvrent pas, hein, mais il y en a qui découvrent que les enfants grandissent de l'autre côté. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parfois sur des enfants non nés, les parents qui sont au courant qu'ils ont perdu un enfant qui n'est pas né, leur donnent quand même symboliquement un prénom. Et on retrouve des fois le prénom de l'autre côté. C'est très marrant. D'accord. Bah, mais c'est Donc une voilà, il y a question. un accompagnement pour les enfants, hein. Ouais, vraiment. C'est une question importante. J'aimerais qu'on revienne maintenant, une fois passé de l'autre côté, sur ces notions de. On parlait tout à l'heure de jugement. Les religions parlent d'enfer, de paradis. Les civilisations anciennes, je pense à l'Égypte, parlaient d'une fameuse pesée des âmes. Alors, 21 grammes. 21 grammes, oui, tout à fait. C'est un truc qui me parle beaucoup et un sujet qui m'intéresse forcément. Il y a forcément un moment
ou quand notre âme passe de l'autre côté, il y a un bilan à tirer de cette vie incarnée, une introspection à faire, des enseignements à tirer. Est-ce que le paradis et l'enfer, c'est ça finalement, se retrouver face à soi-même? Et forcément, c'est un peu l'effet boomerang, ce qu'on a donné, envoyé dans cette incarnation, nous revient en pleine tête. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est un peu comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée, alors on est accueilli par nos proches, je ferai juste une petite parenthèse, nos proches au sens large du terme, c'est-à-dire les humains et éventuellement nos compagnons animaux aussi. On a accueilli voilà, les guides, etc., tous ceux qu'on a envie de voir en plus à ce moment-là. Et puis après, on est accompagné. Et il y a ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, la revue de vie, en fait. Et la revue de vie, c'est un peu ce qu'on pourra appeler le jugement dernier, tout ça. C'est en fait une rétrospective. On va partir du dernier instant de vie pour remonter au premier. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est schématiquement, on est isolé. Et on a notre vie qui défile à l'envers, du dernier moment, donc au premier. Mais il défile pas comme un cinéma, c'est vraiment du cinéma dynamique, hein. C'est-à-dire que tout le bien que vous avez fait, vous allez le ressentir. C'est comme si le bien que vous avez fait, on vous le faisait à ce moment-là. Alors par contre, tout le mal que vous avez fait, ben, on vous le fait aussi. C'est-à-dire que vous le ressentez. Vous ressentez le mal que vous avez fait chez les gens, aux gens. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la balance à ce moment-là. Est-ce qu'on est bien à regarder ce film ou est-ce qu'on n'est pas bien, en gros? Je vais faire schématiquement parlant. Donc c'est un peu ça qu'on appellerait le jugement. En fait, le seul jugement qui est fait là-dedans, c'est notre propre regard au regard de notre vie écoulée. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Alors, il faut se dire. Et qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'on ferait différemment si on devait le refaire? Voilà, c'est ça, c'est le bilan, il est là. D'accord. Donc pas d'enfer, pas de purgatoire. Ben non, parce que en fait, le souci, c'est que on peut pas dire aux gens c'est pas bien ce que tu as fait et lui faire la même chose. Ou pire. Et ce serait pas très juste, en fait. Et en plus, c'est difficile à entendre parce que c'est compliqué, mais il faut bien savoir que ce qu'on juge chez l'humain. Or là, on n'est plus en face de l'humain, on est en face de son âme, qui elle est venue. En connaissance de cause, expérimenter une vie. Pourquoi est-ce qu'on va punir une vie à qui on a demandé de faire quelque chose, en tout cas avec laquelle on s'était mis d'accord au départ, de faire C'est ça? vrai? Oui. Vraiment pas juste. Ce qui est important, c'est que l'âme, en ayant toutes ces expériences-là, intègre le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour se parfaire, en fait. Et pour ne pas ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui. Merci pour le jeu de mots, ils sont toujours très forts. Donc du coup, c'est un petit peu comme quand on vient passer une classe ou pas. Soit on passe de classe, soit on a passé certains UV et on repassera certains UV dans la vie suivante. C'est un peu ça en fait. D'accord. Mais pas de. Non, j'ai pas de gens qui disent oh là, non, enfin j'ai pas ça. Non. Non. Par contre, il est vrai que ça peut être quand même très désagréable. C'est pour ça que tout est juste à un moment donné. Quelqu'un qui aurait fait énormément de mal, parce que souvent les gens me disent, oh, mais alors c'est pas juste. C'est pas... Alors déjà, il faut savoir que les gens qui font beaucoup de mal dans leur vie, souvent, ils ne sont pas forcément non plus de leur état vivant, hein, remerciés de ça. Et puis quand bien même des gens qui seraient très très méchants, qui feraient très très mal aux gens toute leur vie, et qui pour eux, durant leur vie terrestre, ça se passe bien, quand ils passent de l'autre côté, il faut savoir qu'ils resubissent ce qu'ils ont fait à tout le monde. Pas sûr que s'ils le savaient avant, ils continueraient à le faire. Est-ce qu'une Donc, fois ce... Oui, excuse-moi. à un moment donné, c'est juste tout ce qui se passe. Une fois ce travail d'introspection, ce grand déballage face à soi-même, et ce film qui repasse et qui nous fait revivre intimement, profondément ce qu'on a pu dégager, partager et transmettre, une fois que ça s'est fait, il y a une sorte d'effaçage, genre l'âme repart, un peu comme quelqu'un qui se retirait de confession. Bon ben voilà, on a fait le tour de la question, je repars pour une autre incarnation et ça on met tout de côté. Non, pas tout à fait. Non, non.
En fait, une fois qu'on a expurgé cette vie, qu'on l'a digérée, parce qu'il va falloir digérer tout ça. S'il y a un moment donné qui est très pénible et qu'on se rend compte qu'on a été très pénible pour la personne, il va falloir le digérer. Donc ça prend quand même un certain temps, même si le temps et l'espace n'existent plus. Ça prend du temps. Alors imaginons qu'on ait tout fini ça. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces enseignements de vie sont gravés dans l'âme, en fait. Qui, à ce moment-là, on va dire, s'est chargé d'une nouvelle expérience. Et monté en vibration. On l'espère. Et en fonction de ce niveau vibratoire atteint à l'issue de cette vie-là, va aller retrouver un plan, un état, en fonction de la somme de toutes les expériences qu'elle a déjà vécues et du point où elle en est. C'est là où Philomène m'a expliqué pendant ces 30 minutes qu'il y avait différents plans vibratoires en fonction donc de l'état de l'âme à ce moment-là. Et elle va aller dans un endroit plus ou moins vibrant en fonction effectivement de la somme de toutes les expériences qu'elle aura faites. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, parce que juste, ça arrive pas souvent, mais il va falloir que je vous laisse 30 secondes, les amis. Petit besoin urgent. Et juste, je vais te poser une question, Laurent, d'un de nos auditeurs. Comme ça, je te laisserai répondre. Et moi, je Ça fais marche. très vite et vous n'aurez rien vu, Il n'y a pas de problème. comme si de rien n'était. Stéphanie qui te dit, comment peut-on savoir si une âme est jeune ou vieille? Ah, d'accord, ok. Alors, déjà, ça dépend ce qu'on entend âme jeune ou vieille. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait par rapport aux âmes, on a des enfants parfois, et surtout en ce moment, qui ont des réflexions tout à fait, on va dire, tout à fait sereines. Et on a l'impression que ça ne vient pas d'eux, en fait. Et je pense que la question est posée un peu dans ce sens-là. On a des enfants qui parfois semblent vraiment d'une maturité très très grande au regard de leur âge. Du coup, on peut éventuellement en déduire que c'est une âme ancienne qui s'est réincarnée et qui vient apporter un certain nombre de solutions au terrestre, en fait. Après, bah, nous, c'est vrai que l'âge d'une âme, c'est difficile à chiffrer, j'ai envie de dire. Et puis, l'âge d'une âme ne dépend pas seulement du temps qu'elle a passé à venir sur Terre, mais aussi des expériences qu'elle a menées. Une âme qui s'est enrichie de beaucoup, beaucoup d'expériences pendant une seule vie terrestre, quand elle revient, elle a forcément plus d'expériences, donc quelque part, elle est plus âgée qu'une autre, qui aurait passé moins d'expériences durant la dernière vie. Du coup, c'est souvent grâce aux enfants et grâce à leur réflexion qu'on peut se dire, oh là là, ça va être une vieille âme parce qu'il tient des propos qui sont pas de son âge, en fait. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on arrive à voir dans la sagesse souvent précoce et dans la maturité précoce des enfants. Eh bien, merci beaucoup pour ta réponse, Laurent. Je Alors, t'en il y a prie. juste un tout petit souci technique, comme j'ai dû poser l'oreillette en revenant, ça a désynchronisé le son, je pense. Donc, je vais mettre l'écran sur moi, on va refaire une connexion Skype très rapide tous les deux, et je te rappelle immédiatement. Ça marche. Ce soir, les amis, la technique n'est pas au rendez-vous, la nature non plus, c'est pas grave. On va poursuivre cette émission. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Hop, je crois que Laurent est de retour. Me Super. revoilà. Et nous sommes synchronisés. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Magnifique. On poursuit cette soirée. Justement, on revient sur ces informations que Philomène a partagées avec toi, sur ces niveaux, ces différents niveaux de vibrations. Qu'on atteint une fois passé dans l'au-delà. On en parlait tous les deux. Philomène, elle parle de sept niveaux de vibration pour nous, êtres humains en tout cas. Est-ce que tu Alors, peux nous en dire un petit peu plus sur ces niveaux-là? Et j'imagine que c'est dans la suite logique de ce que tu nous disais, l'âme qui d'incarnation en incarnation qui se parfait et qui à chaque fois qu'elle refait le point se rend compte à quel niveau elle a atteint. c'est ça. Alors, des fois, malheureusement, ben,
si ça n'a pas été une super réussite par rapport au plan de transport de départ, par rapport à ce qu'elle s'était fixé comme mission, bah, des fois c'est le même niveau, on rempile. C'est un petit peu comme quand on est en classe, on redouble des fois. Donc en fait, oui, ça va de 1 à 7 on va dire, pour l'être humain. Mais après, au-delà de 7, il y a pour tous les êtres de lumière, enfin ceux qui sont vraiment arrivés, on va dire, à une non-obligation, j'ai envie de dire, de retour, il y a encore d'autres strates. Mais là, j'ai pas le détail. Mais les 7 premiers, ça va pas trop mal. En fait, le tout premier niveau, c'est quand vraiment, de son vivant, la personne ne croit en rien, en fait. Hein. Il y a une absence totale d'éveil spirituel. Ou en tout cas, l'âme est trop jeune aussi, n'a pas eu assez d'expérimentation. Et donc, du coup, quand la personne arrive de l'autre côté, techniquement parlant, j'ai envie de dire, techniquement parlant, il y a la revue de vie, tout ça, et ensuite elle va se retrouver dans un milieu où elle a besoin d'avoir des repères terrestres. C'est-à-dire que plus on va monter en vibration et au niveau des niveaux, et moins on va avoir une imprégnation humaine. Le premier niveau, c'est vraiment la personne qui a besoin absolument de retrouver je dirais, des points de repère humains. Alors, moi, j'ai eu des défunts qui nous disent avoir retrouvé une maison pareille à la sienne, à la dernière maison qu'il a habitée, parce qu'il avait besoin de ça. D'autres qui vont me dire qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils dorment, ils ont mal au ventre. Donc, ils ont encore tous les sens, en fait. Tous les 6 sens, enfin les 7 sens, sont présents encore beaucoup chez eux, bien D'accord. que présents en fait. Mais on leur laisse pour qu'ils s'habituent à leur état. Hein, c'est vraiment. Et c'est lié beaucoup à l'éveil spirituel, beaucoup à tout ce travail qui a été fait ou pas, hein, sans jugement aucun. Mais donc du coup, ils ont besoin de cet environnement-là pour s'acclimater à leurs nouvelles conditions. Et donc ils vont rester schématiquement. Schématiquement, c'est un peu comme si on avait un building avec des mondes différents. Et à chaque étage, eh bien, on a des gens qui vibrent pareil. Hein, donc, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Simplement, ils ne sont pas sur le même plan vibratoire. Et donc, plus le plan vibratoire augmente, et moins on a besoin de cette imprégnation humaine, en fait. Ce qui explique, parce que c'est une question que je me posais pour revenir sur le paradis et l'enfer tel que décrit dans les religions, je me disais, c'est quand même étrange, on parle d'un truc spirituel, on parle d'énergie, et on nous annonce un décor. Dans les textes, le paradis, des rivières de. J'ai en souvenir par exemple le Coran avec des rivières de miel, ce genre de choses, et finalement, Joli. les premiers niveaux de cet au-delà, pour ceux qui sont encore dans des vibrations très terrestres, bah, correspondent à ça, il y a un décorum autour. On n'est pas que dans la vibration et l'énergie. Alors, il y a deux choses. Il y a ce dont on a besoin pour s'acclimater à sa nouvelle condition, c'est ce dont je viens de parler. Et il y a malgré tout ce qu'on peut avoir en idée s'il y avait quelque chose de l'autre côté qui peut intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire, encore une fois, il n'y a pas qu'une vérité pour tout le monde. Même si je ne crois en rien, etc., mais je me suis dit, si un jour je suis mort, ben, j'irai près d'un lac, eh ben, il va y avoir le lac. Tu vois? En fait, il y a quand même il y a une part qui permet de rassurer, de cette rassurance, hein, voilà, on a envie de protéger et de faire en sorte que la personne aille le mieux possible, qu'elle s'acclimate le mieux possible. Et puis, il y a aussi ce que la personne avait éventuellement quand même projeté, parce qu'on a beau se dire, je prends rien, mais il y en a, c'est souvent un réflexe humain, et on a quand même une petite fenêtre, et donc du coup, s'il y avait des attentes quelconques, elles vont être quand même là. Parce que, encore une fois, une réalité, il y a une réalité par personne. Après, le chemin, l'arrivée, effectivement, ce fameux tunnel dont on parlait, oui, parce que finalement, l'arrivée, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu visites une tour, tu prends l'ascenseur. Ben, l'ascenseur, il est le même pour tout le monde. Par contre, à tous les étages, tu as un décor différent parce que toi, tu as envie qu'il soit comme ça. Si tu achètes un appartement demain, tu n'as pas envie d'avoir le même appartement que ton voisin, même s'il est agencé de la même manière, tu vas mettre de la couleur, tu vas mettre. Ben là, c'est pareil. D'accord. C'est un petit peu, excuse la comparaison, tu connais le film Matrix, où
Une fois Ouais. connectés dans la matrice, ils arrivent à faire apparaître ce qu'ils veulent en fait. C'est l'esprit qui commande tout, et le décorum dépend de ce que de ce que veut la personne. Ouais, de ce dont elle a besoin pour être le mieux possible, pour encore une fois, pour se parfaire, parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est toujours à atteindre quelque chose qui soit mieux pour elle. Donc, du coup, si les conditions pour être mieux, c'est de voir justement bah, une rivière de miel ou de voir un lac, bah, voilà, on va donner tous les outils nécessaires pour que ça avance et pour que ça se passe du mieux possible. D'accord. Bah, merci, merci pour ta réponse. On va prendre. Il y a toute une série de questions qui sont drôlement intéressantes, donc on va s'attarder sur les questions des Nuréens, si tu le veux bien. J'espère que j'aurai la réponse, hein, c'est pas sûr, hein, mais. Ah bah, si on les a pas, bah, tant pis, hein. On aura eu le mérite de les poser. Marie-Pierre qui nous dit: quel est le rôle de la prière? Peut-on demander à Philomène, est-ce que ça aide le défunt ou uniquement celui qui prie? C'est-à-dire que nous, quand on prie pour nos défunts, est-ce qu'on leur apporte quelque chose ou est-ce que ça nous aide que nous finalement? Ah, les deux. Alors, pour répondre à Marie-Pierre, c'est les deux. Ça nous aide, nous, et ça aide le défunt. Ça aide. Ça touche. En fait, ce qui compte quand on est plus relié à son corps physique, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'âme, on va dire. Mais l'âme, elle est nourrie de quoi? Elle est nourrie d'amour. Et une prière, elle est toujours faite dans l'amour. Donc, dès qu'il y a un lien d'amour qui est fait, que ce soit une prière ou que ce soit un souvenir d'ailleurs, ou que ce soit quand on allume une bougie et qu'on y met l'intention d'envoyer quelque chose de positif, une bienveillance, forcément le défunt est heureux. Là où le défunt serait moins heureux, c'est quand les personnes, j'ai déjà eu ça plusieurs fois, mettent en place un protocole, une obligation de. Ça arrive des fois. Comme une sorte de rendez-vous régulier. Ouais, quelque chose qui, voilà, je passe au cimetière, je vais faire ci, je vais faire là, il faut absolument le faire. Eux, enfin, les trois quarts, c'est pas les quatre quarts, enfin, pardon, mais c'est pas important pour eux, ça. Ce qui est important, c'est que les gens aillent tous bien, y compris leurs proches qui sont restés. Donc, tant que, effectivement, les prières, tout ça, ça les touche au cœur. Hein. De toute façon, en fait, une âme, c'est un cœur, enfin, j'ai envie de dire, c'est un cœur énergétique. Hein. Donc, ça les touche. Et du coup, ça fait du bien aussi à la personne qui reste, puisque la personne qui reste, en envoyant cette prière, elle se relie à son défunt. Donc forcément, ça fait du bien aux deux. Et du coup, D'accord. à l'ensemble, puisque on est tous reliés, tant mieux. Tant qu'à faire. Tu parlais justement de ces gens qui se rendent régulièrement au cimetière, qui en font un rituel parce que difficile de se détacher de la disparue, et c'est bien compréhensible. Bien sûr. Justement, ces rites funéraires et le traitement qu'on réserve au corps du défunt, est-ce que ça a une importance? Certains veulent inhumer, certains préfèrent la crémation, certaines pratiques rituelles imposent plusieurs jours avant de procéder à un enterrement. Est-ce que tout ça, finalement, ça a du sens pour notre âme non dématérialisée, non physique? J'ai plusieurs réponses. Alors, par rapport à la durée, dans ta question, il y avait une question de durée. Quand est-ce qu'on doit procéder à l'inhumation? Souvent, on Comment attend ça 3 jours avant l'inhumation ou la crémation. marche? Ben, pourquoi, en fait? Vu que la dissociation se fait immédiatement, c'est pas bon. Après, les 3 jours peuvent être utiles, par contre, pour les proches, pouvoir se rendre près de la personne, le voir une dernière fois, etc. Donc, ça a une utilité forcément. Mais par rapport vraiment au décédé et au défunt. Puis la deuxième partie de réponse, c'est ta question par rapport au corps. Est-ce qu'on doit incinérer? Est-ce qu'on doit ensevelir? J'ai Philomène qui, avec beaucoup d'humour, me dit. Donc du coup, quand tu changes de voiture, est-ce que tu vas te demander si elle va dormir dans un garage, si elle va être compactée pour en faire une yaourtière ou bien simplement tu t'intéresses à ta future voiture. En fait, le corps, c'est vraiment un véhicule, en fait. Du coup, et puis pour en avoir vu, j'ai envie de dire, on ne reconnaît pas la personne quand elle est décédée. Même C'est si vrai. les personnes qui ont fait leur travail et qui font toujours un travail magnifique, hein, les thanatos, enfin voilà, tout ça, les gens qui sont là pour embellir le corps, j'ai envie de dire. Les Non. embaumeurs. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Bon. mon ami Olivier Anfou, Oui. embaumeur parmi tant d'autres, mais voilà, une magnifique profession.
Ouais, c'est pas évident et ça demande beaucoup de respect et de bienveillance et de. Ils travaillent avec un amour qu'on ne suppose pas, en fait, ces gens-là. C'est exactement ça. C'est ce que me dit Philomène, et elle aussi, elle est très reconnaissante de ça pour les décédés aussi, c'est important, hein, et pour les familles. Mais pour autant, par rapport à ça, c'est pas important, en fait. C'est pas important. Ce qu'on fait du corps n'est pas très important parce que l'âme fait autre chose. D'accord. Elle se Donc destine à autre chose. finalement, c'est plus important pour ceux qui restent, tous ces rites et ces choix du sort qu'on réserve au corps que pour l'âme qui est déjà. Ouais, c'est ça. Ils viennent souvent quand même à leur funérailles. Moi, j'ai eu des contacts avec des D'accord. défunts pendant leur enterrement. Oui, Avec plus ou moins tu m'en avais parlé, tu avais des commentaires en d'explications. direct pendant l'enterrement. C'est magnifique. Ouais. J'en ai eu plusieurs. Ça peut être même des fois un peu cocasse, même si on n'a pas envie que ça le soit. C'est pas très important. Non, non, les rites. Après, c'est plus pour la famille, c'est plus pour. Voilà, c'est. Voilà. Mais eux, quelque part, ils s'en fichent un peu. Enfin, la D'accord. plupart, enfin, après, de ceux que j'ai. Voilà, de mon expérience, bien évidemment. Oui, tout à fait. Une autre question pour toi, Laurent. Rachel qui nous dit, est-ce que tu peux nous parler des familles d'âmes? C'est vrai que ça, c'est une notion qui revient souvent quand on commence à s'intéresser à la question de la vie immatérielle. On a une âme et puis on appartiendrait à une famille d'âmes qui n'est pas forcément la même famille que celle qu'on a dans cette incarnation terrestre. Alors, elle renvoie à quoi cette notion de famille d'âmes? De grandes missions à l'échelle cosmique. Parce que, en fait, on a parlé tout à l'heure des sept plans. C'est pour ça que j'ai insisté sur les sept plans terrestres d'évolution de l'âme et de niveau vibratoire. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, on se place simplement sur le plan terrestre. Il y a des incarnations qu'on fait sur d'autres plans, vers d'autres familles, dans d'autres planètes, dans d'autres corps. Il y a des êtres, on s'incarne parfois, on peut s'incarner dans des corps qui ne sont pas des corps physiques. Du coup, j'ai envie de dire, ce qui reste le dénominateur commun, c'est effectivement la famille d'âmes, c'est-à-dire ce pourquoi en fait on est plus ou moins destiné à la construction de l'âme. Et les familles d'âmes, c'est assez complexe. Bon, il y a eu des livres, hein, écrits dessus, où on décrit 13 familles d'âmes différentes. Ce que j'en sais, c'est que, en fait, dans les familles d'âmes, il y a encore des différenciations. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner l'image que m'avait donnée Philomène. Elle m'a dit une famille d'âmes, en fait, c'est un peu comme si on devait définir une famille d'âmes comme une fabrication de papier peint. Ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'elle me dit, bah, tu vois, ton papier peint, en fait, tu achètes un papier peint, c'est référence E4325, et tu achètes ton papier peint, et donc tu achètes 10 rouleaux. Et elle me dit, là, on va dire qu'on pourrait comparer ça à une famille d'âmes. Eh ben non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si un jour, tu dois changer du papier peint et que tu n'en as pas pris de rab, il y a un truc qui fait la petite différence entre le rouleau que tu as acheté et celui que tu vas aller racheter, c'est le bain. On va parler à tout le monde, ceux qui ont fait du papier peint, vous savez Oui, que le fameux bain, oui. vous pouvez avoir la même référence de papier peint, mais ce n'est pas le même bain. Eh bien, ce n'est pas le même papier peint. Et pourtant, c'est le même dessin. Les familles d'âmes, c'est ça. C'est en fait des grandes missions, mais avec des particularités tellement fines que quand on est vraiment de la même famille d'âmes, il y a une reconnaissance qui se fait si on se rencontre sur Terre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que du coup, c'est très très imbriqué. Hein? C'est-à-dire que quand on est vraiment de la même famille d'âmes, on est du même papier peint et du même bain. Alors ça, les analogies de Philomène, c'est toujours, toujours incroyable, mais ça, c'est quelque chose qu'on va retenir au moins. Sommes-nous du même bain? Mnémotechnique, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, c'est vrai que dans les familles d'âmes, il y a plein plein de choses. Hein. Il y a des gens qui sont plutôt là pour enseigner, d'autres qui sont là pour élever les consciences, d'autres qui sont là pour guérir. Enfin, etc., etc. Il y a beaucoup de. Et à chaque famille d'âmes, on va avoir je crois avoir compris ça, des guides qui vont plus ou moins encadrer ces familles d'âmes-là.
Et dans l'âme en elle-même, on va avoir des perceptions différentes et des couleurs d'aura à la base différentes aussi. Cet échange-là, il m'amène à penser que finalement, nous, êtres humains, on aime bien les choses bien rangées, qu'on arrive à comprendre, à caser. Est-ce que finalement, on a les outils pour toucher du doigt ne serait-ce que 1% de la réalité qui nous attend de l'autre côté? Ah non, 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 non. Et puis, même moi, avec les petites réponses que je vous donne, mais j'ai même pas 1%. Parce que l'entendement humain ne pourrait pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté, tout simplement. On n'a pas cette faculté-là. On l'a quand on est de l'autre côté. Et à mon avis, on l'a quand on est de l'autre côté à un certain niveau déjà, j'ai envie de dire, de vibration. Mais voilà, on peut pas, humainement et de façon incarnée, avoir toutes ces réponses-là, on les comprendrait pas. Ouais, on essaye de faire deux, trois dessins sur la comète, Ouais. histoire de comprendre et se dire on maîtrise un petit peu, mais finalement, Ouais. on est quand même bien largué. Est-ce que quand on passe dans l'au-delà, on acquiert automatiquement une sorte d'état d'omniscience où beaucoup de choses se révèlent à nous? Est-ce que c'est des retours que tu as eus, les défunts, voilà, la vérité arrive en pleine face, comme une Oui. illumination? Oui. Oui. Et avec des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire non plus. C'est marrant, il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas le droit de trop de. En fait, il y a toujours une règle qui s'applique, que ce soit pour les défunts ou les guides, c'est le libre arbitre et le fait de ne pas influencer. C'est encore deux choses différentes. Le libre arbitre, c'est avoir un choix. Ne pas influencer, ça pourrait être la même chose, mais pas tout à fait. Parce que dès qu'on nous dit quelque chose, on peut le prendre comme vérité absolue, alors qu'on n'a qu'une vérité et c'est la nôtre. Donc du coup, c'est un peu complexe, mais effectivement, il y a une connaissance surtout de l'autre côté. Hein. D'accord. Sur tout ce qui, en tout cas, nous pose problème, tout ce qui nous questionne. L'environnement, le cosmos, les planètes, les plans, les différents mondes, les vies juxtaposées ou pas, les incarnations, etc., etc., la réincarnation, le ruban, enfin, voilà. Mais il y a toujours ce blocage, c'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté, guides ou défunts, ne peuvent pas tout nous dire non plus. Il semblerait que non, ou en tout cas, ils sont obligés d'adapter le niveau de réponse au niveau d'entendement de la personne. On revient Donc à forcément, ça, on se met au niveau de l'interlocuteur, on va toujours. pas lui faire des... C'est un peu comme Jean-Pierre Petit quand il passe nous voir sur Nuria TV, il essaye de nous expliquer les choses quand même le plus simplement et le plus pédagogiquement possible, parce que s'il partait dans des équations, on comprendrait rien et l'échange serait vain. Le phénomène fait pareil avec moi. Hein. Je veux dire, en plus, enfin, moi, j'ai toujours demandé des exemples simples pour pouvoir expliquer simplement, mais c'est vrai que ça demanderait beaucoup plus d'explications, etc., mais qui dépasserait probablement notre entendement dans tous les cas. Ouais, j'imagine bien. Une autre question, si tu veux bien. Une question de Lily. Et là, on va aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur, celle des animaux. Lily qui te demande, dans l'au-delà, est-ce qu'on peut converser, conserver peut-être, nos animaux de compagnie décédés? Alors, qu'est-ce qui leur arrive à tous les animaux? Alors, j'adore sa question. Je vais la faire rire, Lily. Alors, je crois que je la connais en plus. Pourquoi est-ce que c'est nous qui conserverions nos animaux? Pourquoi c'est pas nos animaux qui nous conserveraient nous? J'aime beaucoup Ah, cette très question. bonne réponse. Bon, Mais je dis ça parce que. je pense que Newton serait d'accord avec toi. Je suis plus son maître de compagnie que l'inverse. Ben, c'est souvent eux qui nous choisissent, en fait. Hein. Le truc est là. Et la notion qu'on a, nous, de rapport avec, pour la plupart des gens, hein, parce que moi je connais des gens qui connaissent, ils savent très bien que les animaux sont des êtres, des compagnons, des êtres à part entière et non pas des animaux. Le terme animal même peut être dérangeant. Toujours est-il que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des animaux défunts, et vivants d'ailleurs, puisque on fait aussi la communication animale, des fois pour résoudre des problèmes c'est pas mal. Et des fois, les animaux parlent de leurs anciens compagnons à deux pattes en disant, bah, moi, mon humain, enfin, c'est très marrant, quoi. C'est, je veux dire, nous, on parle de nous, notre chat, mon chat, et eux, ils font pareil, en fait, hein, ils se moquent de nous. Pour répondre à la question précise, c'est que on les retrouve très souvent, et ça va faire rire beaucoup de gens ou pas, et ils sont obligés de descendre beaucoup de vibrations pour venir à notre rencontre. Les animaux qu'on croit être des animaux. Ce que je voudrais dire, c'est que les animaux, bien souvent, sont sur des plans supérieurs de vibration,
Pour la raison simple, par exemple, vous prenez un chien, un chat, il n'y a pas de mental, il n'y a que de l'amour en fait. Imaginez un être qui n'est rempli que d'amour. Comment ça vibre? Ben, je pense qu'on peut peut-être s'accrocher, nous. Ouais. On le voit pas souvent de cette façon-là, mais du coup, moi j'ai questionné effectivement Philomène par rapport aux animaux, et elle m'a dit, Ami, tu sais, ils sont souvent sur les plans les plus hauts, et donc ils descendent, parce qu'effectivement, si un animal est parti avant nous, c'est souvent le cas quand même, on a envie de le revoir, et effectivement on le revoit, mais c'est lui qui fait un effort pour venir nous chercher, quoi. Très souvent, enfin c'est même pas très souvent, c'est tout le temps. Pas Mais étonnant en oui, fait. ben non, et moi sur les contacts avec les défunts, on a souvent des animaux qui viennent nous voir, ou des défunts aussi qui ont des contacts avec des animaux vivants et qui communiquent d'ailleurs souvent dans les contacts avec les défunts dans les maisons. Les premiers à avoir ces contacts, ce sont les animaux. Chat, chien, ils voient les défunts Les ch bien mieux. les Bien chats, mieux. oui, Les chiens ça j'en aussi. suis sûr. Les chiens, je les côtoie moins, mais Voilà, les chiens je pense aussi. qu'effectivement, les animaux perçoivent plus la subtilité de ces fréquences-là que nous. Ouais. Alors, Donc oui, pour être, oui. sur les animaux. Oui, J'ai envie vas-y, de je t'en dire, prie. si tu peux me permettre, pour être complet, plus on va avoir donné de l'amour aux animaux pendant qu'ils étaient avec nous, en fait, et plus ils auront envie aussi de venir à notre rencontre. Enfin, il y a un échange, quoi, hein, bien sûr, de l'autre côté aussi. Forcément. Moi, Bien sûr. j'avais entendu parler pour les animaux que on n'avait pas affaire à des âmes individuelles comme pour les humains, mais que c'était des âmes collectives. Est-ce que ça te parle ou c'est loin de la réalité que toi tu touches du doigt? C'est pas trop ce que j'ai. Il y a une mission collective, probablement. Une mission collective, un point de reliance collective. Par exemple, les chats, on parlait des chats il y a 2 secondes, ont souvent des missions. Je connais pas de chat qui soit pas guérisseur, par exemple. Un À part chat la est très, mission très guérisseur. de gouverner le monde, on est d'accord. On est d'accord, la première, c'est ça. On sait très bien Mais. que le plan secret des chats est derrière. Oui, ça, on sait que nous, on est là pour être obéissants. Mais oui, donc les chats sont souvent des guérisseurs en fait. Ouais. Donc du coup, je crois que j'ai perdu le fil. Bah du coup, ils ont une c'est pas tant une âme collective qu'une mission Ah oui. collective Alors, qui est de la guérison. voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça m'avait étonné. Mais on a par exemple des. Parce que nous, on est toujours dans le système de réincarnation, souvent, on est dans notre système darwinien. Hein, je m'incarne en pierre, et puis en plante, et puis en fleur, et puis si je suis sympa, je serai en arbre, et puis après je serai éventuellement en animal, et après je serai en humain. Comme si l'humain était sur Terre l'énergie la plus aboutie. Alors pas tout le temps. On a aussi des fois des humains qui se réincarnent dans un animal. Donc c'est pour ça que qu'ils font la demande express de se réincarner en animal. Donc c'est Ça, pas forcément. c'est possible. C'est possible parce que c'est souvent des personnes qui veulent justement expérimenter l'amour inconditionnel sur Terre. Parce que encore une fois, enfin, un chien, on va prendre un chien, qu'est-ce qu'il offre à ses compagnons à deux pattes? De l'amour, quoi. Que de l'amour. C'est très surprenant parce que, et ça va nous permettre d'enchaîner sur une autre thématique que je voulais voir avec toi avant qu'on accueille, parce qu'il y a une personne qu'on va accueillir ce soir à tes côtés sur Nuria TV, parce que on voulait recueillir son point de vue et son tout ce qu'elle avait à partager avec nous sur cette thématique. Mais on va finir sur cette dernière thématique. Tu disais des êtres humains qui pourraient se réincarner en animal. On va tourner autour de ces principes de réincarnation. Dans les traditions bouddhistes, il me semble, entre autres, toutes ces religions qu'on retrouve en Inde et dans une partie de l'Asie, la réincarnation est acquise, admise en tout cas, et on a l'impression que l'être humain est la forme la plus évoluée, et que retourner en arrière, se réincarner en animal, à part peut-être une vache sacrée, serait un recul dans l'évolution de l'âme et pas une avancée en termes d'expérimentation de la matière. Ben oui, mais non, en fait. Enfin, moi, ce que j'ai, je suis Oui, bien désolé, sûr. hein, Ah ben ne sois pas désolé.
C'est vraiment les informations que j'ai, non? Et en plus, en direct, on dit, bah non, pourquoi est-ce qu'une vie vaudrait plus qu'une autre, en fait? Enfin, qu'on me réponde à cette question-là. Quand on voit, je suis désolé de dire ça, mais quand on voit comment se comportent certains hommes et comment se comportent les animaux, des fois la solidarité animale, on aurait beaucoup à apprendre d'eux. Non, on ne partage pas ça de l'autre côté, en fait. D'accord. Encore une fois, j'exprimais pas un avis personnel, mais Je dirais que ce sont des vibrations différentes pour mettre tout le monde d'accord, des vibrations différentes qui mettent des priorités à des endroits différents, mais il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, en fait. Et je crois d'ailleurs que c'est dit aussi dans le bouddhisme, il faut respecter toute vie sous quelque forme que ce soit, parce que toute vie a son importance pour l'ensemble, et toute vie est importante, en fait. Un grand D'accord. respect à avoir aussi pour les animaux Bien et les choses. entendu. Après, encore une fois, c'est pas vraiment un avis personnel sur la Ouais, mais non, valeur d'une enfin, vie c'était. et le niveau d'élévation. C'est Ouais. plus l'idée que j'ai, peut-être fausse, de certaines traditions spirituelles. Sur cette réincarnation, on parlait de libre arbitre, une fois qui est toujours présent, une fois passé de l'autre côté. Est-ce qu'on choisit, j'ai cru comprendre, que oui, l'incarnation, la prochaine incarnation qui va être la nôtre, est-ce qu'on peut choisir de ne pas se réincarner? Ben, il y a le libre arbitre. En fait, le problème, c'est que, en fait, on choisit jamais de pas se réincarner ju jusqu'au moment où effectivement on n'en a plus besoin. Parce qu'en fait, quand on est ici, incarné, on se dit, oh, là, il a marre de cette vie terrestre, vivement je retourne à la maison, tout ça. Et puis quand on est de l'autre côté, en fait, quand on les entend parler, ils disent, ouais, on est vraiment bien et dans la lumière et tout. Mais alors moi, j'ai des défunts qui me disent, bah, quand même. La mousse au chocolat de ma mère, c'était bien, hein. Ou alors, ben ouais, mais c'était vachement bien de sentir l'eau. Enfin voilà, il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. Et puis aussi, le fait de ne pas avoir terminé forcément son évolution au niveau de l'âme, ça manque. Donc du coup, tôt ou tard, a priori, on demande vraiment à revenir, en fait. C'est à notre demande, mais on ne va jamais nous forcer. Des fois, il y a des gens qui, en fait, disent, bon, allez, j'ai choisi ma famille, j'y vais. Et puis, ils sont en train de descendre et ils disent, non, finalement, hélas, trop tard. Bon, ils sont partis, ils sont partis. Ils ont signé et ils font. Et c'est pour ça aussi, des fois, on a des gens qui ont beaucoup de mal à trouver leur place aussi. Et à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? On a beaucoup de gens qui sont des fois dans cet état d'esprit. Et c'est aussi, alors j'ai une phrase aussi de Philémon qui disait que tous ceux qui trouvent que ce monde n'est pas fait pour eux sont ceux qui doivent le changer. Ah, Voilà. donc, et ça va parler, je pense, à pas mal de gens parce que en ces temps de changement, on a envie que tout le monde aide à ce que ça change. Voilà qui est dit que les oreilles averties s'ouvrent bien grand. Le but final dans tout ça, si on cherche encore, tu sais, entre la poule et l'œuf qui est arrivé en premier, puis on remonte toujours cette fameuse pelote de laine, et on essaie de retourner à la source, certains l'appellent Dieu. D'autres le grand architecte, il y a toutes les dénominations possibles, mais pour remonter à la source et à la compréhension ultime de qui nous sommes et notre raison d'être, est-ce que le but final c'est de stopper le cycle des réincarnations, toujours en prenant exemple sur des traditions bouddhistes, d'arriver à un moment où l'âme est suffisamment parfaite pour ne pas avoir à s'incarner dans la matière pour continuer sa progression? Ouais, mais j'ai envie de dire, ça n'empêche pas qu'elle se réincarnera. Encore une fois, nous, on parle du plan terrestre. On se réincarne dans la matière, dans un corps humain, dans un corps humain, dans un corps humain, dans un corps humain. Et à un moment donné, dans le corps humain, on n'a plus besoin de se réincarner parce que l'âme, elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Mais il y a d'autres plans. Il y a d'autres plans, il y a bien d'autres plans. Il y a des civilisations où on n'a pas besoin de corps pour vivre. Où on est lumière avec un petit peu plus de densité, c'est tout. Donc là, il y a peut-être des incarnations aussi à faire et à refaire pour expérimenter ça, pour que au fond l'âme elle soit vraiment 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 parfaite. Du coup, ce qui peut être une non-incarnation sur Terre peut être une nouvelle incarnation sur un autre plan ou dans une autre planète ou sous une autre forme. Il faut voir beaucoup plus large.
Ouais, il faut voir beaucoup plus large et je pense qu'on a vraiment, encore une fois, que un dixième du quart du centième de la réponse. D'accord. Alors, il y avait une question que j'aime beaucoup, qui je trouve particulièrement judicieuse, une question de Francis qui nous dit: y a-t-il plus d'esprit que d'enveloppe de corps physique disponible? Pour s'incarner, il faut trouver une voiture, un C'est ça. véhicule. Et Ouais. puis le parc de véhicules n'est pas, même s'il a tendance à s'agrandir, puisque on est, je crois, plus de 7 milliards d'êtres humains, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans, mais en tout cas, il y a un nombre limité de véhicules disponibles, en tout cas pour une incarnation sur Terre. Sur Terre. C'est pour Est-ce ça que j'ai pas. est-ce qu'il y a tirage au sort, bagarre, challenge, compétition de fléchettes entre les âmes pour savoir qui aura le droit de s'incarner sur Terre? Non, mais c'est par vague. Les incarnations se font toujours par plus ou moins par vague. Et puis encore une fois, comme il y a effectivement beaucoup plus d'âmes que de corps, on va dire sur Terre en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y en a qui partent sur d'autres plans d'ailleurs, qui migrent sur d'autres plans et qui vont aller faire d'autres incarnations sur. Donc du coup, tout reste juste et on a toujours à peu près une équivalence. D'accord. Et ce Donc, qui est très marrant, c'est que les âmes, j'en ai parlé avec une consultante encore ce matin, avant de s'incarner, elles tournent en fait. Elles tournent autour de leurs futurs parents. C'est très marrant. Très très marrant. on est bien d'accord que les âmes choisissent leur incarnation, choisissent leur famille, et donc nos enfants ont choisi de s'incarner dans notre famille. Ah ouais, donc c'est pas à peine qu'ils se plaignent. Hein. Moi je leur dis toujours, vous n'aviez qu'à pas choisir. Hein. Hein. C'est... Moi j'y suis pour rien, c'est vous. La prochaine fois que ma fille va se plaindre, je saurai lui rappeler. Et voilà. On me signale qu'il y a des micro-coupures qui reviennent. Encore une fois, les amis, c'est YouTube, réseau limité. J'ai l'impression que ça fonctionne quand même relativement bien. Donc, quoi qu'il arrive, on va aller au bout de cette soirée. J'ai pas l'impression que ça soit bien méchant. On a même bien fait le tour de la question ce soir, Laurent. Je vois le temps filer à toute allure. Et il y a une personne que je souhaitais. Que nous accueillons ce soir et qu'elle vienne à tes côtés. Je vais la laisser venir juste à côté de toi. Cette personne, c'est Lisa. Donc, Bonsoir Lisa. Guillaume. Bonsoir Lisa. Donc, je ne cache rien. Bonsoir la Lisa, famille sois la bienvenue pour la première fois sur Nuria. On souhaitait que tu interviennes ce soir aux côtés de Laurent sur cette thématique parce que vous partagez ensemble des formations, vous partagez ensemble certaines pratiques, voire même un petit peu plus, on peut dire aussi. Mais c'était intéressant d'avoir une autre opinion. Alors pour te présenter, toi Lisa, tu pratiques les soins en guidance comme le fait Laurent. Tout à Euh, fait. tu, tu travailles à ses côtés dans son cabinet. Tu fais aussi de l'hypnose. C'est ça, tout à fait. Une thématique, tiens, une corde que Laurent n'a pas à son arc. Ah non, Ça, non. c'est quelque chose d'assez rare. Non, c'est pas Et toi aussi, ces dernières années, tu t'es intéressé à ce monde de l'au-delà. Tu as commencé à découvrir certaines choses, certaines capacités, ce fameux septième sens dont on parle depuis déjà pas mal de temps avec Laurent sur Nuria. Mais avant de parler de ça, dans cette incarnation terrestre, toi, tu fais un métier, puisque tu le pratiques encore. Tu es infirmière au C'est contact ça. direct de la mort. En plus, toi, tu as travaillé avec des personnes atteintes de cancer, donc. Qui dit cancer dit malheureusement beaucoup de personnes qui arrivent en fin de vie. Ce rapport à la mort, avant de parler de l'au-delà, comment tu l'as vécu et avant de découvrir toute la spiritualité autour de l'après-vie, comment tu as vécu ce contact direct avec la mort? Alors, ça peut paraître surprenant et quand j'en parle, ça peut faire un peu froid dans le dos à beaucoup, mais j'ai une approche avec la mort qui est particulière parce que je me suis toujours beaucoup épanouie, en fait, finalement, dans mon métier d'infirmière, quand j'étais au contact, au plus près des patients qui étaient en fin de vie, en fait. Parce que je pouvais leur apporter quelque chose qui. Disons que j'ai toujours fait au mieux pour pouvoir faire en sorte qu'ils finissent leur dernier moment de leur vie dans un confort le meilleur possible en fait. Et j'ai toujours fait en sorte en fait que ces patients qui arrivent au bout de leur vie finissent ces derniers moments le mieux possible. Et donc oui, j'ai accompagné énormément de gens jusqu'au dernier moment de leur vie.
Et voilà, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée, de savoir qu'est-ce qui se passait effectivement après. Ce qui en a suivi beaucoup de lectures aussi derrière, sur tout ce qui était EMI, etc. Et c'est là que ça s'est éveillé en moi aussi. Donc voilà, je me suis interrogée sur tout ça, sur qu'est-ce qui pouvait se passer après. De fil en aiguille, de livre en lecture, en questionnement, tu arrives à te former à cette utilisation de ce fameux septième sens, qui, je le rappelle, est accessible à tout le monde, n'est-ce pas, Laurent? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, à force de travail, de persévérance, tu accompagnes Laurent dans les soins qu'il prodigue, donc les soins en guidance. Qui dit soins en guidance dit contact, échange avec l'invisible, avec des guides notamment. Est-ce que maintenant, tu as pu, après cet apprentissage, commencer à rentrer en contact avec cet au-delà, des défunts, des guides, j'imagine, oui, à travers des soins, mais est-ce que des défunts, tu as pu confirmer ce ressenti comme quoi la mort physique n'était pas une fin en soi? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les choses se sont faites petit à petit, au fur et à mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai ce ressenti. J'ai un ressenti qui est devenu de plus en plus fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux ressentir la présence de défunts à mes côtés, dans une pièce. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux ressentir également dans une pièce qui peut être très chargée d'un point de vue mémoire. Je peux ressentir dans mon corps en fait des sensations de lourdeur, d'inconfort, des oppressions quand je suis dans une pièce qui a été très marquée émotionnellement, on va dire. Donc voilà, j'ai des ressentis vraiment qui s'affinent de plus en plus. Donc j'ai eu la chance de voir Philomène aussi qui est intervenue, voilà, Voir et entendre. et entendre, voilà. Donc les choses s'affinent de plus en plus et viennent. De plus en plus présente, on va dire, au fur et à mesure. Justement, parlons un peu de Philomène, puisque toi, tu as eu l'honneur et le plaisir de l'apercevoir. Est-ce que Philomène, est-ce que vous avez échangé déjà tous les deux sur votre contact avec Philomène, et est-ce qu'elle s'est présentée à vous sous la même apparence? Avec la même manière de s'exprimer, est-ce que vous, en gros, quand toi Lisa, tu as dit à expliqué à Laurent quel contact tu as eu avec Philomène, est-ce qu'il a retrouvé la Philomène que lui perçoit et avec laquelle il échange? Ouais, et ben, en fait, la façon dont ça s'est passé, c'est que Philomène voulait me montrer que moi aussi j'étais capable de pouvoir voir, de pouvoir entendre, qu'elle disait en fait, c'est ce qu'elle expliquait à Laurent, qu'en fait tout ça était déjà ouvert en moi et que moi j'y croyais pas trop et je me disais, bah non, je suis pas capable de l'avoir, je suis pas capable de l'entendre. Et finalement, il a demandé à Philomène qu'elle se présente à moi. Et il a demandé à Philomène à ce qu'elle puisse me dire, ce qu'elle puisse me dire un mot. Et effectivement, je l'ai vu. Maintenant, je sais pas si tu l'avais vu de la même façon que moi, habillée de la même façon. Je sais pas si tu avais vu sa robe ou pas. Non, non, j'avais pas vu de robe, mais en fait, moi, je fais même plus attention, en fait, à mes défunts. Voilà. Mais voilà, moi, j'ai, voilà, elle est apparue devant moi et elle a dit, donc elle a dit un mot. Effectivement, elle a dit un mot que Laurent avait écrit sur un papier qu'il avait caché juste avant. Pour pas que je croie que c'est lui qui me dise que c'est Voilà. lui qui avait inventé ce mot-là, en fait. Ouais, en gros, j'ai demandé à Philomène si elle pouvait lui envoyer une image et lui donner un mot. Parce qu'elle ne voulait pas croire qu'elle pouvait l'entendre. Et D'accord. Philomène, donc, c'est ce qu'elle a fait. Ouais, tout à fait. Et j'ai effectivement entendu un mot et j'y croyais pas. Je me dis, bah non, elle a pas pu me dire ça. Enfin, je vois pas pourquoi elle m'aurait dit ça. Et effectivement, c'était bien le mot qu'il avait écrit sur le papier, que c'était bien ça, en fait, qu'elle m'avait envoyé comme message, en fait. D'accord, donc Donc. vous avez fait une vraie expérience Oui, tout à fait. avec un vrai feedback pour confirmer, pour rassurer le mental. Et ton Oui, mental à c'est toi, Lisa, et te dire non, non, tu n'as pas tout inventé, on n'est pas dans la fantasmagorie, il y a bien eu un échange, en tout cas, il y a bien une information qui t'a été communiquée, à laquelle tu n'étais pas censé avoir accès, ce fameux mot que Laurent avait marqué sur un papier. le mot et l'image, Le parce qu'il mot y et avait l'image, oui, puisque l'image, je l'avais aussi. Oui, j'ai vu des oiseaux, enfin, j'ai vu des animaux passés, et notamment un animal bien particulier. Effectivement, ça correspondait bien aussi à ce qu'il avait écrit sur le papier et ce qu'il avait demandé, enfin, ce que Philomène lui avait dit, en fait. Je lui ai envoyé des colombes, des colombes blanches, évidemment. Et je lui ai dit, bon, ok, donc j'ai noté colombes blanches, et elle me dit, bah, je vois des animaux, je vois une colombe blanche. Et ce n'était pas Voilà. un autre mot, c'est pas une tourterelle ou un pigeon. Voilà. Elle est vraiment, ouais, c'était vraiment Ouais, probant. c'était.
Expérience réussie. C'est ça, tout à fait. Alors aujourd'hui, Laurent, toi, on sait que ça fait déjà quelque temps que tu animes des formations autour du septième sens, la découverte de septième sens, autour des soins en guidance aussi. Ça, on aura certainement l'occasion un jour de revenir sur cette partie-là de ta vie. Et là, vous animez maintenant tous les deux des formations ensemble, en rajoutant un autre outil à tout ça, parce que toi, Lisa, tu pratiques l'hypnose. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'hypnose et cette connexion au septième sens et à des entités de l'invisible, encore une fois, guides, défunts, en quoi tout ça peut être complémentaire et s'articuler au sein d'une formation? Eh bien, simplement parce que, comme le disait Laurent, nous avons tous cette capacité de médium, n'est-ce pas? Et en fait, nous avons toutes ces ressources en nous. Et en état modifié de conscience, on peut aller rechercher toutes ces ressources que nous avons en nous. Et en mettant une personne en état modifié de conscience, on permet à lâcher prise et on permet aussi de lâcher le mental qui empêche aussi cette connexion bien souvent avec les guides et les défunts parce qu'on se dit bah non, c'est pas possible, bah non, c'est mon mental, bah non, machin. Et du fait de justement d'être en état modifié de conscience, on lâche un peu toutes ces barrières en fait. Donc, ce qui permet une meilleure connexion avec tout ce qui est guide, avec les défunts, etc. Donc, Donc en voilà. fait, c'est une manière de briser la glace. C'est ça, en quelque sorte. Et on s'est dit qu'avec, on a voulu associer cet outil de l'hypnose pour avoir cette possibilité de guidance, en quelque sorte. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande de pouvoir contacter leurs défunts, qui sont en demande de pouvoir contacter des messages, des guides, etc. Et on s'est dit que ça serait bien que ces gens-là puissent avoir l'expérience, vivre l'expérience par eux-mêmes, sans passer par un tiers, parce que c'est bien de passer par un médium pour avoir des informations de leur défunt, mais C'est quelque quand part, il y même en a mieux d'autres d'y aller chercher l'info soi-même. Voilà. voilà, qui se prêtaient probablement à avoir eux-mêmes leurs informations, et puis ne serait-ce que pouvoir les revoir ou pouvoir ressentir un contact physique. Enfin, vraiment, ça peut être. Parce qu'on peut ressentir réellement un contact. Alors, ça ne sera pas un contact physique comme une poignée de main, mais on peut ressentir au point de vue énergétique vraiment un contact ou sur une épaule, ou sur une main, ou même sur un Les genoux, visage. ouais. Voilà, on peut ressentir une sensation comme si la personne, elle vous caressait le visage, une sensation comme si elle vous prenait la main, ou comme si elle vous mettait la main sur l'épaule, ou une sensation comme si elle venait vous envelopper pour vous faire un câlin, en fait. Et donc, c'est tout à fait des contacts qui sont possibles. Avec le son, avec l'image aussi, des fois. Et même avec les odeurs, enfin quand voilà, ils peuvent communiquer aussi avec les odeurs. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà testées, même si les gens qui viennent vous voir en formation ne sont pas des cobayes, mais c'est des choses que vous avez pu expérimenter sur des moldus comme moi. Alors on m'avait demandé la dernière fois, après notre dernière émission, Laurent, Guillaume, qu'est-ce que c'est qu'un moldu? Les amis, regardez Harry. Oui, non, de temps en temps, j'ai une petite baguette magique qui apparaît, mais c'est vraiment très rare et pas maîtrisé. Mais juste pour expliquer aux amis, les moldus, c'est ceux qui maîtrisent pas la magie dans Harry Potter, qui comprennent rien à la magie. Donc j'aime bien, je trouve que cette image est assez parlante pour les gens qui comme moi, et comme j'imagine nombre d'entre vous, les amis, bah, se disent, ok, Laurent, Lisa nous parle de capacité de septième sens, et puis nous, on n'arrive pas à l'expérimenter, à le toucher du doigt, donc ça nous place dans une situation de moldu. Du coup, ces formations, bah, elles s'adressent directement à des gens comme moi, qui des fois ont du mal à lâcher le mental. Mais avec l'hypnose, est-ce qu'on est certain que du coup, c'est pas une information induite par l'hypnose et vraiment une expérience que les gens vivent? C'est une Alors, question, somme toute, légitime. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu une expérience, effectivement, parce que peu de temps après avoir discuté avec Laurent de ce souhait, de ce projet qu'on avait de faire ce stage d'hypnoguidance, j'ai été amenée, par hasard ou pas, puisque le hasard, j'y crois pas vraiment, mais à avoir un consultant comment dire, qui a eu un choc émotionnel important dans le cadre de son travail, puisqu'il a perdu un de ses collègues devant lui, qui a fait un arrêt cardiaque, et il a été amené à faire comment dire, le massage cardiaque, enfin, la procédure de réanimation. Et il a été traumatisé un peu de ce qu'il a pu voir, parce que son collègue est décédé, il n'a pas pu le sauver, il n'a pas pu faire, enfin, il n'a pas réussi à le ranimer.
Et son collègue est décédé en le regardant, les yeux grands ouverts, mais comme avec une supplique dans le regard, en fait. Vraiment comme, voilà, comme s'il lui disait, mais vas-y, sauve-moi, sauve-moi. Et il est décédé comme ça. Et il m'a contacté parce que justement, il était traumatisé par cette image. Il avait toujours cette image de son collègue avec les yeux grands ouverts qui le suppliait. Et il était traumatisé, il avait toujours cette image derrière les yeux. Et donc, j'ai été amenée à lui faire une séance d'hypnose pour lever le trauma, bien évidemment. Et puis, je lui ai proposé de faire une séance justement d'hypnoguidance pour qu'il puisse rentrer en contact avec son collègue, si toutefois il avait encore des choses à lui dire. Et il a accepté alors qu'il n'était pas du tout dans ce monde-là. Il était moldu, comme tu peux dire, vidéo, on se fait dire, mais alors pas du tout branché, défunt, etc. Enfin, voilà. Il a accepté sans trop voilà, savoir enfin, ce qui allait se passer, en fait. Et je n'ai absolument rien induit, je n'ai absolument rien proposé. J'ai juste dit de laisser venir ce qui venait. Et là, il a vu son collègue qui lui est apparu avec un grand sourire, qui était complètement apaisé, qui lui a délivré le message que voilà, qu'il avait pu faire tout ce qu'il pouvait pour lui et que tout allait bien. Et il a vu se retourner et partir vers la lumière, alors que je n'ai absolument rien dit. Enfin, c'est voilà. Et quand il s'est réveillé, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il m'a tout raconté et je lui ai dit, waouh, mais c'est super, quoi. Enfin, et là, je lui ai demandé comment lui se sentait. Et il m'a dit, waouh, je me sens, mais comme si toute cette culpabilité qu'il pouvait avoir l'avait complètement, s'était envolée, quoi, en fait. D'accord. Donc, un vrai soulagement, ouais. Donc, c'est Et... pour dire que même pour un moldu, voilà, mais qui s'attendait à rien de particulier, voilà, il a eu cette opportunité de pouvoir revoir son collègue et de pouvoir être déculpabilisé de ne pas avoir réussi à le sauver, et que voilà, son collègue lui a juste dit tout va bien, merci pour ce que tu as fait, et voilà, et voilà. Et j'ai trouvé que ce moment était vraiment très fort. Bah, merci pour ce partage, en tout cas Lisa. Du coup, bah, ces formations, j'imagine en ce moment, un confinement oblige, on en a déjà parlé la dernière fois, Laurent, il y a pas mal de choses, d'activités de groupe prévues qui ont dû être reportées. Est-ce que ça, c'est des choses que vous allez mettre en place d'ici fin d'année, dans les mois à venir? Est-ce que c'est prévu? Alors, on a une date de prévu le 6 et 7 juin pour peu que ce soit réalisable. C'est optimiste, mais pourquoi pas? C'est optimiste, mais du reste, ce sont toujours des groupes qui sont des petits groupes, donc on est moins de 10. Et bon, après, si les gens sont plus ou moins du coin, pourquoi pas. Et puis, il y aura d'autres dates, bien sûr, qu'on va refixer, nous, après l'été. Pour ce stage-là. Et oui, il va y avoir plein de dates d'ici la fin de l'année. Il y aura à peu près une par mois, à peu près. D'accord. Donc à suivre de près sur le site de Laurent. Ouais. Il va falloir mettre 2-3 dates à jour sur le site quand même. J'ai jeté un œil, Laurent. Qui est le c'est. webmaster de Laurent Boulanger? Alors, je suis désolé, je n'ai plus le temps de mettre alors, à jour ce site. D'ailleurs, toutes les informations de stage, de date, etc., on va les retrouver plutôt sur mon Facebook. Donc, il faut que les gens me demandent un ami. Et ils trouveront toutes les informations de date. J'annonce tous les stages sur Facebook, via D'accord. mon compte Facebook. Donc tu es en train de me dire que depuis le temps qu'on fait des émissions ensemble, je partage le lien vers ton site et qu'il fallait que je les dirige vers le Facebook. Bravo! Alors, c'est quand même bien parce que les gens, quand même, me téléphonent, prennent contact avec moi parce qu'il y a toutes mes coordonnées. Donc, On merci. arrive à te retrouver. Et j'en profite pour dire que je vais faire un petit coucou quand même à des gens qui m'ont appelé la semaine dernière et cette semaine. On est regardé partout, hein, Nuria, en Polynésie notamment. Donc je pense à Nathalie, je pense à Théa, à Frédéric à l'île de la Réunion, enfin bon, au Canada. Il y a plein de gens qui nous regardent. Et donc du coup, on a en Corse aussi, je pense, à François et Katia. Ce sont des gens aussi qui pensent à nous organiser des stages vers chez eux. Hein, parce que nous, on propose des stages à Louan, donc vers chez nous, mais lorsqu'il y a un petit groupe qui se forme, on se déplace. Donc on sait qu'on va avoir un stage en Polynésie. Bon, c'est plutôt sympa, C'est plutôt sympa. hein? Bon, peut-être en réunion, à la Réunion un jour. En Corse aussi, c'est en train de se mettre en place. Voilà, donc s'il y a aussi des gens qui peuvent avoir un petit groupe, nous, comme c'est dans le cadre de notre travail, on peut se déplacer quand même, hein, pour un motif impérieux de travail. Peut-être plus facilement qu'un groupe peut se déplacer pour une formation qui n'est pas forcément jugée utile. Nous, on peut se déplacer. Donc, ça aussi, voilà, s'il y a des gens, ça peut intéresser. On Et peut puis aussi monter toujours dans un un. cadre de respect de la planète, c'est toujours mieux que deux personnes Donc, se déplacent qu'un c'est groupe ça. entier. Hein? Exactement. Exactement. On faisait déjà ça avant, mais encore plus maintenant. D'accord, donc à suivre sur ta page Facebook. En tout cas, Oui. merci,
Merci beaucoup à tous les deux pour les partages ce soir. Merci Laurent, merci Lisa. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette émission avec des questions des Nuréens, un petit peu comme à l'accoutumée. Et puis vous répondrez tous les deux en fonction de vos expériences, de vos savoirs. Enfin, bref, vous faites comme vous le sentez. Juste avant, Laurent, je voulais te demander, parce que je sais que Philomène, tu as communiqué énormément d'infos. Oui. C'est un peu ce qui a été le déclencheur de cette émission. Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on aurait oublié ce soir, qu'on serait passé à côté des thématiques et des choses qui te semblaient, toi, importantes à partager par rapport à ce que Philomène t'a communiqué? Alors, il faut que je reprends un peu mes notes parce que du coup, j'ai 4 pages, hein, j'ai écrit 4 pages entières. Oui, donc, je sais qu'il y en avait beaucoup. C'est énorme, donc je vais chausser les lunettes. Hop là. Oui, il y a une chose aussi que sur laquelle on ne s'est pas trop arrêté, c'est la possibilité de rentrer en contact justement. En fonction des niveaux vibratoires, plus le défunt, l'âme du défunt, a atteint un niveau vibratoire important, plus son retour en contact sur Terre va être différent. Il va avoir plus de force. C'est en fait comme il faudrait avoir l'image d'un élastique. Plus on le tend, en fait, et plus il revient vite. Mmh. Là, c'est pareil. Plus on va avoir un niveau vibratoire important, plus quand ça revient, on peut avoir des choses très très flagrantes en contact. Du coup, c'est ce qu'elle voulait me dire. Par exemple, des défunts qui ont, entre guillemets, j'aime pas parler de niveau en fait, parce qu'ils aiment pas parler de niveau, mais on est bien obligé de donner un peu des points de repère sur des vibrations pas trop trop hautes. Les moyens de rentrer en contact avec le monde humain, notre monde actuel, ça va être plus standard avec des problèmes électriques notamment, etc. Et plus ils acquièrent cette force et cette hauteur de vibration, et plus on va avoir des choses complexes et probantes d'ailleurs pour nous, en retour, hein, au niveau du contact. Ouais, il y a plein de choses, hein, elle m'a dit, il y a tellement de choses aussi. Elle me dit aussi qu'en ce moment, la Terre est en train, il faut considérer la Terre comme un être, en fait, et que la Terre est en train d'évoluer vers le haut au niveau vibratoire. Et donc, du coup, ça crée aussi des disparités entre humains actuellement. Je pense que ça, beaucoup l'auront constaté. On est dans une époque où tout ce qui n'est pas en phase, ben ça pète. Ouais. Alors, ça veut dire, malheureusement, ça, des fois, ce sont des unions, des fois, ce sont des associations, des fois, ce sont dans les familles, il y a des clashs. Des fois, c'est dans des choses vraiment établies ou en tout cas qu'on croyait comme telles. Tout est en train de s'accélérer, en fait. Donc, c'est normal que l'on soit aussi... que l'on soit un petit peu, comment dirais-je, déphasé. Moi, j'ai beaucoup de gens, on fait énormément de soins énergétiques à distance, Lisa et moi en ce moment. Les gens se sentent mais fatigués, ils se sentent complètement épuisés. C'est normal, c'est vraiment normal. Donc ça, elle m'a vraiment... elle m'a dit, en fait, ce qui se passe, si tu considères aussi, elle m'a donné cette image, la montgolfière, elle me dit, en ce moment, en fait, on est en train de couper les lestes. Et quand tous les lestes d'une montgolfière sont coupées, elles s'envolent d'un coup. Du coup, il y a une accélération, et ça décoiffe. Hein, ça veut dire. Donc, du coup, enfin, ouais, ça décoiffe, en plus, hein, même au sens propre. Donc, du coup, il peut y avoir actuellement beaucoup de... Les gens peuvent se sentir un peu... pas trop bien, ou alors complètement, s'ils sont préparés à ce genre de choses, complètement dans leur élément et complètement zen. Moi, je rencontre des gens en consultation qui me disent tout le monde a peur, moi, j'ai pas peur. Je vais bien, je sais que c'est juste et voilà. Mais pour autant, je suis fatigué, donc c'est plutôt pour de la fatigue, pour du ressourcement, donc voilà. Pour les défunts aussi, il y a tout un tas de différences. Au niveau des seuils, hein, des différents seuils de 1 à 7 qu'elle m'avait donné, mais là on prendrait beaucoup de temps pour, ça sera peut-être le sujet d'une autre émission, on pourra revenir dessus aussi, hein. Voilà. Parce que du temps nous on en a, hein. Et puis l'émission et ce que font les défunts de l'autre côté, parce que du coup on a parlé de l'après-vie, on a beaucoup parlé donc de à peu près où ils allaient, comment ça se passait un peu pour eux, mais ils ont quand même des missions. Il y a des missions d'intérêt général où tout le monde se retrouve pour, notamment en ce moment, pour envoyer de l'amour vers la Terre et ses habitants. C'est très important pour eux de nous aider à monter en vibration.
Et donc, on en parlait de la prière dans le sens vivant vers les défunts, mais sachez que tous les défunts et tous les êtres non incarnés prient pour nous. Ça marche dans les deux sens. Ça marche vraiment dans les deux sens, hein. Un coup de téléphone, vous pouvez le recevoir et vous pouvez aussi le passer. D'accord. C'est toujours bon à savoir que des entités invisibles et supérieures veillent sur nous. Enfin, supérieures. Oui. Et ce qui demande aussi, et même si c'est très difficile en ce moment, c'est de vraiment, dès qu'on peut, c'est de donner de la joie autour de nous. De la bienveillance et de la joie. Ce dont on a beaucoup besoin en ce moment, c'est la joie. L'entraide, je pense qu'elle se met en route quand même. Il y a quand même de beaux gestes. Il y a des égrégores qui se créent qui sont très bons. Mais il faut aussi mettre de la joie dans tout ça, même si c'est difficile. D'accord. Mais justement, en parlant de joie, il y a une question de Marc qui nous dit « Est-ce que les âmes peuvent aussi être mal lunées ?» Est-ce que toi, tu es tombé sur des défunts, des guides ? Toi, Lisa, est-ce que tu es tombé sur des ressentis face à des énergies qu'on sentait voilà, pas, là, on n'est pas dans la bonne vibe. Ah oui, ça arrive tout à fait. Oui. Il y a des périodes où, effectivement, les énergies sont pas vraiment bonnes, en fait. Hein. Tout à fait. Des énergies, puis des défunts. Mais les défunts en colère, on en a souvent en colère après leur vivant. Combien j'ai eu de défunts qui sont venus, engueuler ceux qui étaient encore restés en bas, soit parce qu'ils n'avaient pas acheté leurs affaires, soit parce qu'ils avaient fait de leur chambre un musée, soit parce qu'il y a le protocole, ils s'obligeaient à faire cimetière, il y en a tous les jours à changer. Voilà, ils se font engueuler des fois, hein, quand ils viennent en consultation. C'est une engueulade sympathique. Mais des fois, ils sont remontés quand même. Hein. Mmh. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Ils sont remontés parce qu'ils sont en colère de voir que les gens qui sont là ne vont pas bien, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est plus ça. Ouais, donc c'est de la colère bienveillante. Bienveillante et bien utilisée. Oui. Pas de la colère gratuite. Non. Non. D'accord. Sylvie qui demande « Bonsoir Laurent, on nous met des épreuves dans nos vies terrestres pour que l'on comprenne. J'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que ma vie sera plus douce ?» J'ai l'impression que quand on trouve sa place, son chemin, les choses sont quand même un peu plus fluides. Oui, tout à fait. Après, comment dire La vie nous envoie des épreuves, en fait, pour qu'on en tire des expériences. On a toujours le libre arbitre de choisir quelle direction on a envie de prendre. Mais quand on est sur sa voie, on le sait. Et effectivement, la vie est plus douce parce qu'on sait que c'est ça qui nous appelle et c'est par là qu'on veut aller. Donc, Souvent, Philomène m'a dit, on apprend, malheureusement peut-être, hein, on apprend beaucoup plus parfois dans le tourment qu'autrement. Et puis on imprime beaucoup mieux les choses quand on se rappelle de ce qu'il ne faut pas faire ou quand on a subi quelque chose. Et puis il y a une autre chose aussi hein, dans les épreuves, pour Sylvie, peut-être que c'est le cas. Quand on a nous-mêmes des épreuves et qu'on s'en sort, c'est aussi souvent pour qu'on puisse les utiliser de manière à aider les autres à sortir de la même situation. Donc du coup, tout est juste en fait, encore une fois. Tout est juste. Voilà. J'espère que tu auras eu réponse à ta question, Sylvie. Merci à tous les deux. Une autre question de Manon, qui nous dit « Est-ce que des guides guident aussi les âmes qui sont passées de l'autre côté sans s'en rendre compte ?» En parenthèse, cas de mort violente, par exemple. Les guides agissent aussi bien sur notre plan à nous que dans l'au-delà ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, après, redis-moi la question, je ne suis pas sûr de la revenir. Allez, je la relis. Est-ce que des guides guident aussi les âmes qui sont passées de l'autre côté sans s'en rendre compte? Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément les mêmes guides, d'ailleurs. Ce sont des accueillants. Autrement dit, c'est la notion de mot qui est importante. Un guide, moi ce que je vais appeler un guide, c'est un guide de lumière qui va venir guider des vivants. Lorsqu'on passe de l'autre côté, on a évidemment des guides qui viennent aussi, mais ce n'est plus la même notion de guide. Ça peut être des proches qui viennent nous aider.
et leur dire, oh, regarde, tu me reconnais, tu vois qui je suis, je suis ton grand-père, machin. Bon, t'es mort, garçon, c'est pas grave, viens avec moi, ça va bien se passer. En gros, je le fais schématiquement. Et puis, on a aussi des guides qui peuvent intervenir, oui, quand il y en a besoin, quand ils s'en sortent pas, j'ai envie de dire, oui, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'un guide peut être à 100 000 endroits en même temps. C'est-à-dire, Philomène, j'ai pas d'exclu, on n'a pas un, oui, un contrat d'exclu. Donc, du coup, elle parle à plein de gens en même temps. Donc, c'est pas un problème. Ok. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour ce soir, une question de Laura, qui nous dit, lors d'une réincarnation, est-ce possible de garder les mêmes passions et centres d'intérêt? Peut-on les améliorer au fil du temps? D'où certains artistes virtuoses. Et elle rajoute, merci pour cette chouette émission. Alors, est-ce que Mozart, par exemple, a développé son talent sur plusieurs vies? Honnêtement, je pense que oui. Une empreinte, peut-être. Ouais, il y a une empreinte. Il y a, sans parler de dons, parce qu'on n'aime pas trop ce mot-là, mais il y a un certain nombre de facteurs et d'expériences qui se sont tellement imprégnées que du coup, elles restent de vie en vie. Je pense aussi à des personnes qui ont vraiment des capacités incroyables. Moi, je pense à un garçon que je connais qui s'appelle Andy. D'ailleurs, je fais un petit coucou. Andy, il n'a jamais pris une leçon de guitare. Et il te joue des solos de guitare à l'oreille. C'est un truc de malade. Il dessine, il n'a jamais pris un cours de dessin. Mozart est arrivé, il écrivait des trucs à 5 ans. Il y a des peintres aujourd'hui, même encore maintenant, qui sont capables de, en guidance d'ailleurs, de faire des tableaux à l'envers sans avoir pris une leçon et faire des tableaux absolument magnifiques. Donc oui, bien sûr. Et ça va même plus loin que ça, c'est que c'est les Dalai Lama, je crois, qui a une marque d'incarnation en incarnation. Le nouveau Dalai Lama a une marque distincte qui est annoncée, etc. Donc ça se met même dans la chair des fois. Et donc c'est encore plus qu'une capacité. C'est vraiment. Donc oui, il y a des choses qui reviennent. Hein. On a même des gens qui peuvent développer des pathologies suite à des fins dans une vie antérieure délicate. Hein, des gens qui ont développé des ulcères alors qu'ils sont des fins d'une lance à travers l'estomac. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être en corrélation. Hein. D'accord. Qu'on peut conserver. Donc là aussi, le lien entre l'incarnation dans la matière et la vie d'après, la vie dans l'au-delà, est beaucoup plus... beaucoup plus complexe que, encore une fois, je passe de la matière à l'esprit. Et Alors, j'ai Philomène qui me donne une image, je vous la livre hein, pendant qu'elle me la donne, parce qu'après je vais l'oublier. Elle me dit, c'est pas difficile pour qu'ils comprennent bien. Ils prennent une feuille de papier et une goutte d'eau. Ils font tomber la goutte d'eau sur la feuille de papier. Des fois, dans la goutte d'eau, il y a un petit peu des poussières. Quand ça va s'évaporer et sécher, le papier peut être tout à fait lisse et blanc. Mais il peut être aussi avec une petite auréole orange ou une petite... c'est pareil pour l'âme. Si ça s'est vraiment imprégné, ça reste. Voilà. C'est toujours plus simple avec Philomène. Moi, j'aurais aimé l'avoir comme prof. Hein. Mais j'adore. c'est toujours très parlant. J'avais dit dernière question, mais je vois qu'il y a notre ami Romain Priou, que je salue bien chaleureusement. Romain, qu'on retrouvera sur l'antenne de Nuria bien prochainement. Donc déjà, je lui passe le bonjour et on finira avec sa question pour lui faire plaisir, qui vous demande à tous les deux, qu'est-ce qu'on entend par passeur d'âme? C'est un terme qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme? C'est tout le monde. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. En fait, on n'est pas. Alors, on n'est pas NAIT et on n'est pas EST, passeur d'âme. On peut par contre le devenir. Tant pis, je vais parler de nos stages, mais les soins énergétiques en guidance, on apprend, quand on est formé comme ça, à accompagner l'âme à aller dans l'au-delà. Donc, tout un chacun peut faire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous qui faisons passer l'âme, en fait. Nous, on l'accompagne, on fait un petit bout de chemin, et les guides viennent chercher cette âme, et ils disent, oh, allez bien. En fait, si je reprenais l'image de tout à l'heure, c'est comme si le temps s'était écoulé, et puis l'âme n'avait pas eu le temps de partir, donc on est en low batterie. Et ben, nous, on va rebrancher le câble pour qu'il puisse revoir à la porte, et à la porte, il y a le guide qui vient chercher la personne. Donc un passeur d'âme, c'est juste quelqu'un qui a conscience
qu'il y a des défunts qui ne sont pas partis, qui ont la bienveillance et l'envie de le faire, et qui demandent aux bonnes personnes de l'autre côté de venir les chercher, et ça se fait. Il y a des gens, moi, j'ai encore discuté avec quelqu'un aujourd'hui, qui n'a pas eu de formation, jamais, quoi. Et, mais qui s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, qui a demandé à un guide, le guide est venu, la met partout. Donc, c'est pas une mission en soi, c'est une mission générale de bienveillance envers le vivant et le plus vivant, le moins vivant. Tout on y revient toujours. C'est ça, en fait, ouais. Tout le monde peut le faire. Bah, Lisa voilà. Le fait. Ça. Et voilà. Les gens qui sont venus en stage, donc mes stagiaires depuis 5 ans, ont tous appris à faire du passage d'âme. Il suffit juste d'avoir un geste, une intention, et à demander à ce qu'on vienne les chercher à la bonne personne. Et tout va bien. Et beaucoup de bienveillance, ça c'est ouais, toujours... Ouais. Voilà. De l'amour et de la pédagogie, parce qu'on ne fait pas passer une âme sans lui expliquer ce qui ne l'attendra pas. Parce que d'accord. C'est toujours la porte qui les retient. Donc il faut de la pédagogie. Oui. On leur explique, simplement. On explique, hein. De la même manière qu'on va dire à un enfant de ne pas poser sa main sur le fer à repasser, parce que c'est chaud, quoi. Enfin, une fois qu'on lui a dit, en général, il ne la met pas. Et s'il la met, il va bien se rendre compte qu'il aurait mieux fait de ne pas la mettre. Donc, en fait, voilà, on est là pour expliquer, pour aider. Je rigolais sur ta réponse, Laurent, parce que je me dis, tu te philoménises. ouais, il y a un peu de ça, je pense. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux pour ce temps passé sur Nuria à nos côtés. Quelques commentaires pour finir. Il y a Sarah qui dit merci, merci, merci pour cette magnifique soirée remplie d'amour et d'espoir. Je vous l'avais dit, les amis, on repartirait tous avec la banane. Vous pouvez sourire, vous avez le droit. Et Marie qui nous dit super soirée pour mon premier direct. Eh ben, bienvenue parmi nous, Marie. Bienvenue parmi les Nuriens. Merci infiniment à tous les intervenants, les modos, et à vous, Guillaume et Nora. Merci et beaucoup, beaucoup de cœur. Ben, merci aussi à toi. Et tous les deux, Lisa et Laurent, un grand, grand merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux. Et puis, ben, on se dit à très bientôt, je pense. Mais oui, avec ça plaisir. Marche. Avec plaisir. Prenez soin de vous, ciao. Vous aussi. Ciao. Au revoir tout le monde. Les Nuréens, bah écoutez, merci à vous également d'avoir été à nos côtés ce soir. C'était vraiment un grand plaisir de vous retrouver sur cette antenne. La semaine prochaine, le programme qui vous attend, eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais prendre un petit risque technique puisque mardi soir, on va faire une émission non pas avec un, non pas avec deux, mais avec trois invités connectés à trois endroits différents, ce qu'on appelle communément un multiplex. Techniquement, on a fait les tests. Ça marche. Est-ce que ça marchera mardi soir? Rien n'est moins sûr. YouTube sera peut-être pas avec nous. Je pense que je demanderai un petit coup de main à Philomène si Laurent veut bien intercéder en notre faveur. En tout cas, mardi soir, on fait une soirée spéciale spiritisme regard croisé, puisque je recevrai Guy Faverdin, Sylvie Chevalerias et Christian Cambois, tous les trois, pour nous parler des messages qu'ils reçoivent, de leur guide. Et puis on essaiera de voir justement à travers le regard de trois pratiquants différents en spiritisme. Une est médium, l'un pratique le pendule, l'autre le Ouija. On verra quelles infos on peut trouver derrière tout ça et quel parallèle on peut tisser entre leurs pratiques. Et puis je crois que c'est mercredi soir. Là aussi, on sera toujours dans cette pratique du